Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien pour cette deuxième partie de live du Design Challenge numéro 22 du KaketoS, de KaketoS Theory, pardon. J'espère que vous êtes tous en forme. Si vous êtes là sur le chat, n'hésitez pas à nous faire signe. Hop, je vais vous mettre sur la bonne caméra. Voilà. Faites-nous signe dans le chat si vous êtes là. Si vous étiez là hier, c'est très cool. Merci à vous d'être revenu. Ce soir, donc, on a la chance d'avoir avec nous Jessica Trocmé, experte Figma, qui va décrypter avec nous tous les prototypes de Figma du Design Challenge. Alors, comme il y en a pas mal, on s'est dit que si on n'avait pas le temps de finir, demain, je ferai un dernier live pour les 4-5 qui manquent éventuellement, parce que vous êtes très nombreux à avoir participé à cette édition, donc merci, hein. Mais donc, du coup, pour pas... tiré jusqu'à 21h30, quoique il n'y a pas Top Chef ce soir, mais bon, il y a sûrement un truc très cool à regarder à la télé. On va essayer de, voilà, d'être efficace. Que vous dire d'autre? N'oubliez pas, si vous le souhaitez, de vous inscrire à la KaketoS Academy. On va fermer les inscriptions très bientôt, donc c'est vraiment une des dernières chances de nous rejoindre. On prendra 50 personnes, comme je l'avais dit hier. Donc voilà, et puis je vais faire venir tout de suite Jessica. Bonsoir Jessica, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tout le monde entend bien Jessica? C'est bon. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Ben merci Jessica d'être là parmi nous. Ça nous fait très plaisir. Bienvenue alors à qui est là ce soir? Chloé, Marion, Cécile, Oriana, Anthony, Vincent, Julie qui est revenue, qui était là hier. Salut Justin qui était là hier. Salut Laurie. Bonjour à Charlotte, notre community manager, Karine, Clémence, Marjorie, il y a tous les habitués, vous connaissez tous Jessica, je pense, dites-le nous dans le chat si vous la connaissez, mais je pense que oui. Jessica, merci infiniment de faire cette review avec nous, c'est très sympa, on est ravis de t'accueillir. Est-ce que tu veux te présenter brièvement, éventuellement, pour les gens qui ne savent pas qui tu es? Et maintenant, je suis Jessica Trocmé, UX UI designer depuis maintenant 10 ans et auto-entrepreneuse depuis 3 ans. Et en fait, j'ai commencé ma chaîne YouTube en avril 2020, ça va bientôt faire un an. D'accord. Et surtout, je fais pas mal de vidéos du coup sur Figma. J'ai aussi créé dernièrement une formation sur Figma, parce que quand je me suis lancée, en fait, j'aurais bien voulu avoir une petite formation pour apprendre rapidement. Donc, du coup, j'en ai créé une là, cette semaine qui vient de sortir. Et d'ailleurs, j'ai créé un code promo pour le Slack de The KaketoS Theory. Effectivement, donc un grand merci. Je ne sais plus dans quel channel il est, si c'est dans le général. Dans général, oui. Dans général, voilà. Donc, vous pouvez le retrouver sur le Slack. Je ressemble à qui, Pierre? Ah oui, ouais, on me le dit tout le temps. Donc, le code promo de Jessica est dans le Slack. Je crois qu'il est valable pendant une semaine, c'est ça, il me semble? C'est ça. Et voilà, oui, donc il vous reste encore une petite semaine pour en bénéficier. La formation est top, donc je vous encourage vraiment à l'acheter si ça vous intéresse, en tout cas. Et puis, vous avez évidemment la chaîne YouTube de Jessica, Jess Design, qui a dépassé récemment les 1000 abonnés. Donc, félicitations, en plus, c'est cool. Donc voilà, si vous voulez des bons tips sur Figma, effectivement, la chaîne de Jess est une très bonne option que je vous encourage à prendre. On va débuter sans trop tarder. Alors, on a convenu que c'est moi qui attaquais, c'est pas très galant, je suis désolé, mais bon. Je vais attaquer comme avec Bastille, voilà, pour montrer un peu comment est-ce qu'on fait ça. Donc, je vais afficher mon écran. Hop, en entier. Et je vais afficher mon Notion, pardon, avec toutes les participations. Donc, 15 participations ce soir, beaucoup de nouveaux, ça c'est super cool, merci à tous. N'hésitez pas surtout à en faire plusieurs, hein, parce que c'est ça qui est chouette, c'est quand c'est dans la continuité et dans la durée. C'est comme ça qu'on progresse surtout. Alors, beaucoup de gens nous disent dans les interviews en ce moment qu'ils ont parfois un peu passé de temps. Donc, on avait posé la question, je remets la caméra pour vous parler deux minutes. On avait posé la question à une époque de est-ce que c'était une semaine, 15 jours, un mois? On avait vu une majorité de 15 jours.
Si vous voulez qu'on passe sur un mois, on peut en discuter éventuellement. Il n'y a pas de souci. On attaque, Jess, ce soir avec le prototype de Karine qui nous a fait. Alors, tu te souviens du sujet, Jess? Oui, un site sur les actualités, effectivement. Exactement. Un Oui. site sur les actualités avec un thème qui était libre. Et donc, Karine nous a fait revue le magazine au regard décalé. Donc, l'idée, c'est vraiment voilà, qu'on analyse ensemble le layout, le style, le graphisme et tout. Donc, on va découvrir ensemble la page et le style graphique. Bon, donc, à première vue, c'est quand même ultra, ultra clean. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est clair, vraiment propre, même les typos et tout, Ouais. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire en fait sur la home. Donc, du coup, on peut aller chercher la petite bête, mais ça va être compliqué. Allez, c'est un peu petit, plus d'articles et ta flèche peut-être à droite. Je ne sais pas si le fait que ta ligne ici soit pas alignée parfaitement horizontalement avec la typo, c'est fait exprès. Non, là, je pense qu'elle est un tout petit peu décalée, bon, de 3-4 pixels, alors que ici. Elle est alignée, donc voilà. Mais il est très sympa cet effet graphique. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup effectivement sur les magazines de blog. Au niveau de la carte, c'est top. Il y a le tag, la catégorie, la date, le temps de lecture et le title. Peut-être que voilà, tu aurais pu forcer un peu le trait sur la graisse de la typo ici. Ça veut dire avoir quelque chose de d'un peu plus, peut-être passer en médium. Alors je sais pas si c'est de la Montserrat ou de la Open comme ça. Dis-nous dans le chat. pour Mais qu'il y ait une hiérarchie un peu plus visuelle pour que ça ressorte plus. ouais. Moi j'aime beaucoup le light, mais je trouve que le light ça a souvent besoin d'être contrasté par des graisses un peu plus épaisses. Et comme je vous l'avais expliqué une fois, généralement quand vous travaillez des typos qui ont beaucoup de graisse, vous passez du light au médium, du médium au bold, mais voilà, vous sautez à chaque fois en gros une famille, une font weight, pour aller chercher la suivante parce que généralement c'est plus probant sur les typos qui ont beaucoup de graisse. Bon, allez, seule petite chose aussi, là, le title qui se balade peut-être un petit peu. Tu as un margin top ici qui est plus important que ton margin bottom, donc ça manque un tout petit peu d'équilibre. Et puis pareil, les flèches, je vous aurais peut-être ramené sous le paragraphe, parce que pareil, ici, elles flottent un petit peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guess. Et en fait, ce que je rajouterais, c'est le fait qu'on ait des blocs avec les titres principaux qui soient à gauche. Et puis là, on a un bloc différent, peut-être avec un layout de fond pour faire une plus grosse distinction. Voilà, parce que là, du coup, on se retrouve avec un titre centré. Ouais, Voilà. c'est vrai. Et ben, je trouve que du coup, ça casse un peu. Tu vois, ici, il y a un espace qui est créé qui est un peu bizarre. Et on en a parlé hier. Donc, je ne vais pas revenir trop dessus. Mais effectivement, casser les layouts en web design, c'est ou apporter de la couleur. Tu aurais pu éventuellement traiter sur un fond de couleur en prenant la couleur de ta ligne. Ici, en baissant l'opacité, ça aurait pu être sympa avec une petite pattern ou un truc ou juste tout simple. Et du coup, ça aurait un peu cassé cette page parce que tu es sur fond blanc tout le temps. Ici, ça reprend les cards, mais en plus grand. Donc ça, c'est cool parce que c'est aussi de la cohérence graphique. C'est les mêmes qu'on a retrouvés au-dessus, hein. Mais juste traité sur 6 colonnes et 6 colonnes au lieu d'un 3x4. Donc, top. Au Une autre niveau variation. des marges aussi, des negative space, c'est bien aussi. Ouais, c'est clean. Après, je sais pas si cette gouttière est exactement, si ça m'a l'air d'être à peu près la même. Ah, pas tout à fait. Bon, c'est pas grand-chose. J'aime bien ce petit bloc. Je sais pas ce que t'en penses là à droite aussi avec la petite Oui, illustration. Elle est très avec la sympa. petite illustration, ouais, c'est clair. Elle vient ramener un peu de fraîcheur. Ça égaye la maquette. Ouais. Ici, on va retrouver les cards. Encore un bloc. Voilà. Et ici, là, du coup, voilà, bah, c'est exactement cette couleur-là que je voyais, tu vois, pour aller casser le layout tout à l'heure. Je trouve qu'elle est très belle. La palette de couleurs est très sympa, en tout cas. Ouais, La c'est palette très de couleurs bien. est très, très cool. Alors, attends, on a un slider ici. Toi qui es spécialiste de Figma, qu'est-ce que t'en penses? Bah, il m'a l'air très bien fait, hein. Ça, c'est cool. C'est un truc que j'aime bien sur Figma, le fait qu'on puisse faire ça. Ouais. Niveau des Et thématiques. Karine me confirme que c'est bien de la Open Sans, donc ça va, je suis pas trop rouillé, merci. J'aime bien la Open, c'est une typo qui est assez simple à travailler parce qu'elle marche quasiment tout le temps. C'est comme la Montserrat, c'est des typos
Voilà, qui sont mais moi que j'aime beaucoup. Et donc, très bien vu, Karine. Puis le fait que ce soit des Google Fonts, au moins on est sûr qu'au niveau du dev, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bon pour tous les navigateurs. Oui, ça c'est quand même un gros avantage, c'est vrai. Ouais. Super sympa la recherche en full screen, en modal. Moi, c'est des trucs que j'aime bien voir aussi. Ouais. On va taper la recherche. Nice. Alors, c'est difficile de dire si j'aurais voulu que tu centres le content. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'il aurait fallu tout centrer parce que là, du coup, ça se... Ah, ça fait du blanc. Ou alors, ouais. peut-être avoir vu la liste sur deux colonnes, sinon. Peut-être, mais alors peut-être que c'est un peu moins efficace en termes, parce que c'est plus simple aussi parfois de balayer comme ça plutôt que d'avoir un gauche-droite. Peut-être que c'est juste en train de... Pardon, je suis passé sur la page d'avant et je me disais s'il n'y a pas une autre carte que tu as utilisée, Karine, qui pourrait marcher. Peut-être que tu pourrais le faire sinon comme ça, en grosse colonne centrée. C'est joli, tu vois, tu prendrais cette carte de là, limite, et tu la, et hop, tu la mets ici vraiment en pleine gueule, hein, pardon pour l'expression, au milieu. Parce que ça serait plutôt cohérent, je trouve, avec ta recherche en modal, où généralement, quand tu as des recherches comme ça en modal full screen, où tu attends un résultat de recherche directement, tu sais, ici, ce qui se fait pas mal, mais c'est un peu une galère à coder généralement, où tu t'attends vraiment, là, vu que tout est centré, je m'attendrais bien à retrouver un contenu centré derrière. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je sais que là, du coup, c'est vraiment le fait d'avoir un espace blanc. On s'attendrait à ce qu'il y ait une colonne de droite, du coup, en fait. Ouais, voilà, ou qu'il se passe quelque chose. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un gros déséquilibre. Sinon, au niveau de la liste... C'est très sympa. Bon, ouais, non, c'est nickel. Je trouve vraiment très sympa ce footer. Ouais. Très, très, très sympa. Dis-nous, Karine, dans le chat, si on a tout vu. Hop, si j'enlève les... Ah non, on ne peut pas voir toutes les pages sur... Il y a une page article. En fait, si tu cliques sur le premier... Bah oui, la page article qu'on avait demandé. Alors, regardons là. On avait quand même demandé la typo serif. Hein. Il y a la colonne de droite cette fois. Qui est ici. Alignée avec l'image. Ouais, elle marche très bien. Ouais. Alignée un peu de typo serif. Le quoi? Le à lire aussi. Le fait de mettre en exergue le texte juste en dessous de la vidéo de... Ouais, ouais. C'est traité comme une quote et tout, c'est sympa. Non, c'est très... c'est ce qu'il faut faire. Donc, hier, vous pourrez regarder la review. Je ne le répéterai pas sur chaque proto si c'est le cas, mais tout ce qui est contenu comme ça de blog et tout, c'est généralement pas des choses que vous traitez en full width, enfin sur 12 colonnes de votre container. Généralement, vous allez essayer de stretcher un peu le texte parce que c'est plus simple à lire. C'est souvent le cas sur la presse, vous verrez que tous les journaux en ligne, c'est souvent, vous avez un tiers, deux tiers de la page consacrée à la lecture, après autre chose à droite, effectivement, mais c'est rarement en pleine page, quoi. Bah, même si fait, parfois, c'est plus simple à lire. Ce serait même sur tous les sites qu'il faudrait appliquer ça, parce que c'est ce qu'on appelle du coup le confort de lecture. Il ne faudrait vraiment pas dépasser une largeur de lecture, parce que vraiment, si on a une largeur de centrale de 1100 ou de même de 1200 pixels, de lire vraiment de bout en bout, enfin, c'est pas très confortable à lire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est très vite fatigant. Écoute, je crois qu'on a tout vu. Félicitations, Karine. Bon, moi, pas grand chose à dire parce que c'est quand même ultra propre. Donc, juste ici, là, je crois que tu as décalé sans faire exprès. Allez, dernier petit truc, peut-être que tu aurais pu mettre un tout petit peu de padding, je sais pas. Ouais, même pas. Non, ça marche. C'est moi qui chipote. Donc, un grand bravo, Karine. Ouais, super joli. Et ensuite, ah oui, alors là, c'est Pierre qui a participé. Là, forcément aussi, il m'a pris par les sentiments. On part sur l'univers du jeu de plateau. Ouais. Plutôt d'actualité en ce moment. Allez, je vais le remettre en plein écran qu'on le découvre ensemble. Chineur de jeu. Bah, du coup, Jess, je te laisse la main maintenant. Et ben là, du coup, c'est sympa au niveau des typos qui ont été choisis.
Après, les remarques que j'aurais à faire, ce serait plus au niveau de l'accessibilité. Alors, le premier pour les boutons bleus foncés, là, c'est bon, on n'a pas de souci d'accessibilité. Par contre, au niveau du deuxième, le bleu un peu vert, j'ai un petit doute au niveau de la couleur, en fait, au niveau de l'accessibilité. Ouais. Et aussi au niveau des petits gris, juste en dessous, dernière actualité. De même, là, les dates et commentaires, je pense qu'au niveau accessibilité, ça passe pas. Ouais, c'est effectivement pas assez contrasté. Bah justement, il y a un plugin qui est sympa, c'est le plugin Stark Yes. sur Figma. Et là, du coup, au niveau accessibilité, tu peux t'en rendre compte rapidement. Ouais, Stark, c'est vrai que j'en ai parlé hier dans le truc, dans la review XD. Il est parfois un peu rude, hein. Donc moi j'avoue que parfois sur les Oui. normes très 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 strictes, je suis pas toujours. Oui. Mais oui, effectivement, Stark est disponible sur tous les grands logiciels de design quasiment, et il est très pratique pour gérer ce genre de cas. C'est clair. Alors, j'aurais peut-être mis un petit peu plus d'espace au niveau du titre Dernière actualité avec ce qu'il y a en dessous. Parce que du coup, on a tout savoir sur vos jeux préférés. Donc là, je pense qu'il faudrait quand même rajouter un petit espace. Sinon, au niveau des couleurs, ça matche bien. J'adore Seven Ouais, moi aussi. Wonders. Les derniers articles, ça marche bien aussi, en mode liste, comme ça. Yes. Pareil, moi, j'aime bien quand c'est un peu plus aéré. Après, c'est peut-être plus au niveau perso. Donc, personnellement, j'aurais plus aéré. Bah, c'est vrai que tu as du mal à lire la grille parce qu'ici il y a peu de margin entre les deux éléments. Ici, on a un peu plus. Pareil ici, alors je sais pas si tu as choisi les mêmes. Non, ici pareil, je pense qu'il y a moins de margin entre tes quatre cards qu'on ici. Donc voilà, c'est de toutes petites incohérences parfois qui ne jouent à pas grand-chose, mais c'est important. Et sur le footer, bas de page. Oui, le dernier bloc, du coup, il y a plus d'espace. Là, c'est un peu plus aéré, en tout cas, au niveau du texte et de l'image. Ouais. Après, attention au text center avec le text align left, comme ça, quand c'est press, je trouve que c'est toujours un peu rude en termes de lisibilité. Encore une fois, ces histoires de lignes hein, qu'il faut créer, et c'est comme ta border bottom ici que tu fais venir. Je pense qu'elle est un peu épaisse et qu'elle est soit trop petite, soit trop grande pour que l'effet marche complètement. Et souvent, on les rentre un peu plus derrière la typo, mais voilà. Mais sinon, c'est un super proto. Ah bah d'ailleurs on va regarder la nouvelle extension Seven Wonders. Là, on a du coup un texte qui est centré et j'aime bien quand il y a des images qui sont en décalé comme ça, qui cassent le layout. J'aime beaucoup les décalages comme ça. C'est vraiment sympa. Avec l'image tout en haut qui est plein pot, après les. On voit bien la thématique, le titre. Là, au niveau des espaces. C'est plus aéré. Ouais, l'interlignage est bon quoi. Peut-être Oui. un peu petit. Je pense que t'es même pas en 16 pixels, je sais pas. Mais à l'œil comme ça m'a l'air d'être 14. Dis-nous Pierre si tu es là. Ouais, des fois, selon la typo, on peut mettre 16 et ça peut paraître plus petit. Donc, des fois, il faut ajuster, des fois, il faut peut-être mettre un peu plus. Ça va dépendre des typos. Ouais, en lecture, on peut monter jusqu'à 18, voire 20, typiquement sur du sérif où il y a des journaux parfois, genre Le Monde, si vous êtes abonné, que vous pouvez lire en mode zen, comme ils disent. C'est vraiment fond blanc, juste grosse typo, et ça marche très bien aussi. Existe-t-il un site qui répertorie les standards en termes d'espace selon le support? Demande Paul. Non. Non, parce que encore une fois, le design étant une histoire de ratio, il y a des guidelines que tu peux suivre si jamais tu designes pour iOS, si jamais tu designes pour Android. Dès qu'on passe sur du desktop, sur de l'applicatif SaaS, ce dont on parle beaucoup sur la chaîne souvent, bah en fait, c'est ton œil aussi qui doit guider, qui doit créer ces espaces, ces lignes. Après, c'est des choix que tu fais. Mais le standard, on en parle souvent, je pense que JS en parlera aussi très bien, c'est travailler sur une grille de 8. Est-ce que c'est une technique que tu utilises toi aussi?
Oui, la grille de 8, oui, tout à fait. Du coup, au moins au niveau des espaces. En plus, avec Figma, ce qui est intéressant, c'est que on peut faire des calculs mathématiques quand on met des données, par exemple sur les espaces au niveau d'auto-layout. Par exemple, si on met 8, on va pouvoir mettre un fois 2 ou ajouter 8, etc. Donc, du coup, au moins, on est sûr de pouvoir rester sur notre grille de 8. Exactement, donc c'est comme ça généralement qu'on calcule les interlignages avec les ratios. Tous les logiciels acceptent ce que Jessica vient d'appeler, de décrire, pardon, qui s'appelle des opérations booléennes, qui sont effectivement des opérations mathématiques simples, multiplier, diviser, soustraire, additionner, mais que vous pouvez faire dans les zones généralement des inputs de largeur, hauteur, etc. Et c'est assez pratique. Oui, c'est clair. Moi, je dirais juste que voilà, le tag est un peu petit là, et puis il se balade un peu, il est coincé entre l'image et le titre, mais on ne sait pas vraiment à quel bloc il appartient du coup. Alors, si je peux zoomer, je vous ai dit hier, j'ai appris une super technique, voilà. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, tag un peu petit, et puis là, réseaux sociaux peut-être un peu serré. Bon, je l'ai dit hier, je comprends pas trop pourquoi on continue à faire ça, parce que je crois que vraiment personne ne le fait, partager comme ça sur les réseaux sociaux, mais bon. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, mets-le peut-être plus à droite et tu aurais peut-être pu le passer en position fixe. Alors, ça aurait mordu sur l'image au bout d'un moment. Moi, j'aime bien, mais je trouve que c'est un tout petit peu trop sorti, tu vois. Parce que du coup, ici, regarde, ça sort un peu de la grille, j'ai l'impression. Il ne faudrait pas qu'en fait ça dépasse le max width en fait. Parce qu'au Ouais. niveau développement, en fait, c'est là où ça va être compliqué à appliquer, en Mais fait. si je me fie à la page d'avant, donc encore cette histoire de cohérence, là, ah, quoique là, ça sort beaucoup aussi. Mais ouais, donc voilà, ça c'est des histoires de layout. Mais effectivement, toi qui connais aussi bien le front, tu sais que parfois ça peut être un peu compliqué. Dernière chose, moi je trouve juste que le footer est un tout petit peu trop saturé. Après, ça peut être un style. Et puis là, le nous suivre, tu pourrais rapprocher encore les icônes, histoire encore ces histoires d'éléments qui vivent ensemble, hein, de règles, les règles du gestatisme. Et puis peut-être un autre point par rapport au footer qui est un peu haut, alors que finalement il n'y a pas beaucoup d'intitulés, donc il y aurait peut-être moyen aussi de réduire la hauteur. Je pense. Ouais. Ouais, quitte à faire un footer très fin en mettant les liens en horizontal, parce que si t'as pas plus de pages que ça peut très bien marcher, puis ça peut apporter un peu de finesse aussi. Et puis attention, tes badges sont pas tout à fait bien alignés, il me semble, mais bon, pareil, ça se trimballe un ou deux pixels trop haut. Mais bon, c'est du détail. Est-ce qu'on a tout vu? On a tout vu. Oui. Un grand bravo, Pierre, et puis on espère revoir bientôt tes participations. Alina dit, j'ai l'impression que c'est plus une convention qu'un truc vraiment utiliser les liens de partage. Ouais, enfin, d'expérience, moi qui travaille depuis longtemps freelance, je sais pas si ça s'était arrivé, Jessica. On me le demandait souvent, c'est les clients qui me le demandaient, je leur disais que ça servait à rien. On le mettait quand même, on regardait l'analytics, mais personne cliquait dessus, quoi. Donc, bon. Après, Par c'est pas rapport à très tout, compliqué à installer, hein. j'ai pas Par rapport entendu. aux liens de partage, tu sais, les icônes Ah qui se baladent à droite des articles de oui. blog, partagés sur Facebook et tout, Instagram. Bon. En fait, c'est vrai que ça va être demandé par certains clients, mais concrètement, ça sert plus à grand-chose, quoi. En fait, avec les sites publics, on le fait encore pas mal, mais Oui. effectivement, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Mais en fait, si c'est ton blog, tu travailles pour là, c'est un secteur spécifique, bon, bah, le mec, il copie-collera le lien, ça lui demande pas beaucoup plus d'efforts à la limite. Je trouve ça même plus simple parfois, parce que tu vas taper un message avec. Donc voilà, et puis limite, ça, je trouve que c'est toujours des bons arguments aussi en tant que designer, tu vois, dire, bah écoutez, non, c'est plus vraiment une pratique qui est usuelle, parce que nanana, les gens font plus comme si. Du coup, tu passes aussi un peu pour quelqu'un qui est un peu dans le coup et qui connaît et qui sait que voilà, ça sert pas à grand-chose forcément de mettre les liens de partage. Ouais, ça va dépendre du public, du coup. Exactement. Passons à Thomas, dont c'est la première participation. C'était aussi la première participation de Pierre et Karine, je ne l'ai pas dit. Merci à Charlotte et Chloé qui me le rappellent dans le Notion. Ils m'ont mis un petit badge new. C'est super pratique maintenant. Donc, allons-y, parlons de musique, il me semble. On va parler de musique, je vais vous mettre en plein écran. Hop. Et allons-y, Thomas. Bah, je trouve que c'est ultra réussi. Ouais, c'est ultra clean, même les traits qui vont jusqu'au C-hall. Ouais. Là, il n'y a aucun doute possible. Au niveau des espaces. Ouais.
Ouais, c'est vraiment top. De partout. C'est vraiment top, Thomas. Donc, pareil, en termes de layout, c'est parfait. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Non, je regarde voir si je peux chipoter quelque part, mais. Moi, j'aime bien les designers comme Pierre qui prévoit un peu. Hop, pardon. Qui prévoit un peu ce genre de cas quand les titres passent sur deux lignes, tu vois, quand les tags sont pas à la même hauteur, plutôt que parfois servir des maquettes qui sont parfaites ou en fait tu sais très bien que à l'intégration, bah, c'est pas comme ça que ça se passe. Au moins, du coup, ce sera nickel pour le développeur, il sait à quel comportement s'attendre. Ouais, exactement. On va retrouver des grilles asymétriques que j'ai pas mal commentées hier. Oula, faut que je retourne sur la home, pardon. Mais la grille est très clean. Là, pareil, j'aime bien ces composants qui viennent épouser, enfin, ces backgrounds qui viennent juste. Enfin, le contenu qui vient épouser le background plutôt. C'est très bien vu. La typo sérif qui était la contrainte s'est utilisée. Je ne sais pas avec quelle typo elle a été mixée. On dirait un peu de la famille des Avenirs, les choses comme ça. Donc, des typos assez douces, assez rondes, qui correspondent bien au milieu de la musique. On a vraiment des différences de graisse aussi. Donc Ouais. ça rend vraiment Et de couleurs, surtout sur les typos. Moi, j'aime bien. beaucoup là, ces niveaux de gris bleu un peu utilisés. C'est des trucs qui sont pareils, très à la mode, mais ça marche bien. On remarquera aussi une belle utilisation des gradients qui sont assez discrets pour se faire un peu oublier. Je trouve que ça, c'est chouette aussi quand c'est pas trop bourrin. Tu aurais peut-être pu rentrer le bouton sign up dans l'input d'email. Ça aurait fait peut-être un peu moins de complexité et quelque chose d'encore un peu plus simple, enfin plus sympa, plus simple à lire. Mais bon, c'est vraiment pas grand-chose. Le Et titre du en fait, coup, c'est sympa aussi, nous c'est clair. ouais, il y a un vrai travail de typo qui est vraiment cool. Alors, j'ai vu qu'on pouvait cliquer sur le menu. Allons-y. Alors, bon, je suppose que comme j'ai zoomé, il doit sortir à 100%. Il est hyper chouette. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, carrément. Et là, il doit y avoir un petit là au niveau des effets Figma. Avec le slide sur le côté. Comment on fait ça alors sur Figma? Alors, sur Figma, du coup, alors c'était quoi le terme? Alors là, c'est pas un smart animate, ça va être vraiment le fait de glisser sur le côté. Je ne me rappelle plus le terme exact. C'est des animations de base de Figma de toute façon. Oui, c'est ça. Alors, où est-ce qu'on clique? Ah, bah, on peut cliquer partout. La page news. Ah, je sais pas, tu vois, si le déséquilibre me gêne ou pas. Peut-être que là, pour le coup, ça aurait valu de passer sur. Ça aurait peut-être valu le coup de passer sur deux colonnes. Ouais. Mais parce qu'en plus, comme il y a le trait qui va jusqu'au bout. Ouais, c'est ça en fait. Là, ça entraîne ton œil et du coup, bah, tu t'attends à trouver quelque chose ici. Tom dit que c'est overlay. Ouais, c'est possible, c'est incrustation dans XD. Vous pouvez faire ça aussi. Slide in, out. Bon. Vous nous direz, vous regarderez. Hop, More Fresh News. Ah, sympa. Moi, j'adore la. J'avoue, je kiffe dans Figma le fait qu'on puisse mettre des gifs. Okay. J'avoue que ça, c'est vraiment cool. Alors. Un autre point, Ouais. je sais, moi j'aime bien quand on est sur des pages, parce que là, en fait, on pourrait dire où est-ce qu'on se trouve au niveau du site. Et ce qui peut être sympa de rajouter, c'est un état actif au niveau du menu pour savoir qu'on est, par exemple, sur News, qu'on est sur la page News, en fait. Effectivement. C'est des petits points, mais je sais que. Enfin, au niveau des clients, c'est toujours important aussi enfin, au niveau des utilisateurs, de savoir où on se trouve sur un site. Donc, il peut y avoir ben, par le fil d'Ariane ou toujours avoir un état actif au niveau des intitulés de menu. Ouais, effectivement, surtout sur ce genre de site. Donc le fil d'Ariane, Brandcrump ou état actif. C'est toujours un peu plus compliqué les états actifs quand il y a des sous-catégories, mais au moins indiquer l'entité dans laquelle se trouve l'utilisateur, effectivement. Bah ici, on va avoir une très belle grid. Bon, pareil, hein, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Très sympa ces filtres.
Ouais. Voilà, l'utilisation du rose, elle est plutôt audacieuse, mais parce que c'est pas une couleur qui est très, très facile à travailler, le rose. Mais là, en fait, il est, voilà, à chaque fois amené avec suffisamment de subtilité dans les petits éléments UI comme les checkbox, les radio-boutons, les CTA, les tags, et du coup, c'est sympa. Je trouve que ça marche vraiment bien. Ça rajoute vraiment du peps. Toi aussi, t'as regardé Top Chef. Hein. Les vidéos. Ah, on va découvrir ici un nouveau composant avec des tabs. Ouais, je sais pas si j'aurais utilisé de la typo sérif sur les tabs, mais pourquoi pas. Ou alors peut-être que je les aurais passés en bold pour que ça soit plus franc. Je sais pas. Mais c'est sympa. Puis j'aime bien ces petites previews aussi ici. Elles sont très sympas. Ouais. Ça rend vraiment bien. Il me Si je semble que clique c'était la sur... page d'accueil où il y avait en fait, on pouvait utiliser le système d'onglet peut-être. Il n'y en avait pas un. Hein. T'arrives plus à naviguer? Ah si, si. Ah non. Bon. Non, peut-être que je confonds avec un autre en fait. Ok. Ouais, Je pensais qu'en fait il y avait la simulation du tabs. non, j'ai pas l'impression. Ah, il y a un champ de recherche en haut à droite ici, qui est actif. Bah non, mais écoute, c'est un super proto, hein. Il n'y a pas 10 000 commentaires à faire, hein, parce que... Tout en tout cas me paraît Thomas plutôt super bien respecté. En tout cas, le contrat est rempli. Toutes tes cartes sont sympas. Tu joues plutôt sur des grosses gouttières, mais je trouve ça sympa. Je trouve que ça marche. Je trouve que voilà, l'utilisation du rose est bien. Ton fondeur est bien. C'est bien aéré. C'est bien aéré. On va regarder une page article pour le plaisir. Elle est magnifique aussi, je trouve. Ouais. C'est clair. Non, le fait de vraiment au niveau du header, enfin de toute la partie haute, d'avoir vraiment la partie description sur la gauche et puis la possibilité d'avoir un visuel sur la droite qui ne prend pas forcément toute la largeur. Ça peut être une contrainte au niveau des clients, même des sites publics, parce qu'ils n'ont pas forcément des images qui prennent toute la largeur, enfin des images vraiment très panoramiques. Et là, ça peut être, c'est une super solution en fait. Effectivement, ça évite de passer les images en background cover pour ceux qui connaissent et de faire des trucs un peu dégueulasses parfois. Ouais, qui sont coupés dans Mais l'art. bon, bah ouais, c'est pas ouf. Mais bon. Et l'article, il est très très bien, il me semble, hein. L'interlignage est top. Je sais pas si c'est toujours un peu petit ou pas, je m'en rends pas compte. Ah, sympa. Ouais, c'est vraiment super beau. C'est vraiment super. Donc, je vous rappelle que tous les protos, hop, il y a plein d'autres articles que vous pourrez découvrir. Tous les prototypes sont disponibles sur le fichier, dans la description de la vidéo, où vous pouvez repasser tous les prototypes, les voir. N'hésitez pas à les laisser ouverts. Normalement, si un lien est mort, dites-nous, et puis on peut demander à la personne. De le remettre si vous voulez le revoir, mais en tout cas, vous pouvez revoir la participation de Thomas. Un grand bravo à toi. Après Thomas, on reste dans la musique, cette fois on passe au hip-hop avec Victor. Alors, ça ressemble à du brutalism, mais c'est pas du brutalism. On en a parlé un petit peu hier de tous les courants UI, brutalism, skeuomorphism, glassmorphism et compagnie. Pardonnez mon accent anglais. Alors, c'est des trucs qui sont assez à la mode, Jess. Pardon, je remets le C'est stream. ça Je sais pas ce. à pas Ouais. mal de sites, un peu de musées qui reprennent un peu ce style-là en ce moment, comme j'en ai regardé pas mal. Et ça me fait penser un peu à ça aussi, au niveau du style. Yes. Alors, bah, vas-y, je te laisse commenter. Regarde, je fais bouger. Il y a un slider sur le hero. Oui, voilà, c'est original du coup C'est d'avoir original, ouais, mais bon, pourquoi images. pas? Pourquoi Ouais. pas? En Et tout on cas, découvre la on sait page. qu'il y a des images à voir puisqu'il y a une partie qui est coupée. Donc, ça invite quand même au scroll. Là, on est du coup vraiment sur les couleurs noir et blanc. Ça marche bien. Avec oui, des typos plutôt grasses. Oui, alors peut-être un peu. Alors là, je ne sais pas combien il y aurait au niveau des marges. Pour le coup, je ne sais pas. C'est T'aurais resalé la grille? peut-être un chouïa, peut-être pour remettre la même ligne au-dessous, en fait, peut-être le même espacement que la liste du coup. Ouais.
Il y a Mais ça, et puis je pense que ça tient au fait aussi que il y a un problème d'agencement entre le temps de lecture et les tags, dans le sens où on s'attendra plus à voir ou les tags en haut ou en dessous, mais là le 17 minutes, 17 minutes read, 8 minutes, etc., ils se baladent un peu. Alors, ou tu les mets en bas à droite, par exemple, parce que n'oubliez pas qu'on lit en Z, hein. Donc je lis limite title, tag et ensuite le temps de lecture, mais c'est une information certes importante, mais que tu peux aussi traiter d'une autre manière. Donc voilà, moi j'aurais inversé. C'est vrai que le tag, en fait, ça fait un peu comme un bouton qui se balade, tu vois, un peu au milieu. ouais. Puis surtout Et sur les petits, on se retrouve avec le temps qui est au-dessus du tag, et puis sur les autres, il se retrouve à gauche. yes. Il y a des différences. Vous Mais pas découvrez un Find mal. More aussi. Ça, c'est bien vu, je trouve. J'aime bien. En fait, je trouve que c'est bien quand ce genre de pattern de grille, effectivement, se termine, ou de slider en mobile, se termine par un View All ou un Find More. Parce que c'est une bonne manière d'aller retomber sur la catégorie, là, en l'occurrence, des Latest News. Et on remarque, contrairement à Thomas tout à l'heure, que là, en tout cas, on a bien marqué la page active. Donc, ça, c'est top. Donc après, Ensuite, on a une liste où on a du coup le temps de lecture et le tag à gauche. Mais comme là, toutes les autres items list sont identiques, c'est pas gênant. ouais, c'est moins choquant. Il y a C'est peut-être moins la choquant, mais je flèche. les aurais néanmoins quand même inversés. En fait, Ouais. pourquoi aussi, tu sais, pour cette histoire de ligne, parce que là, si le tag avait été ici à gauche, ça aurait bien complété toute cette ligne typographique qui existe et qui est aussi liée à la typo et complètement et aux ligatures ici de la typographie. Donc moi, j'insiste, je les aurais quand même, je pense, ouais, inversés. Et puis après, les flèches comme ça, je sais pas ce que tu en penses. Ça peut être un style, mais alors pareil, elle est pas franchement à droite pour qu'elle m'incite. Je sais pas ce que t'en penses. Elle est peut-être un peu grosse, et puis il y a beaucoup d'espace du coup à droite. J'en vois pas trop des flèches dans ce genre, enfin des listes dans ce genre-là en fait, avec la flèche comme ça. Donc voilà, Victor, deux petites pistes d'amélioration. Essaye, et puis tu en auras vers le fichier si tu veux, d'inverser les tags et le temps de lecture. Temps de lecture, à la limite, ouais, non, je sais pas si tu peux changer de couleur, mais la hiérarchisation de la typo avec la couleur est aussi importante. Et ce bloc-là, quelles sont tes impressions, Jess? Don't miss out. Don't miss out. Alors, ça se fait pas mal depuis quelques temps là, enfin depuis un moment, d'avoir les textes en décalé comme ça. Donc là, c'est un style qu'on peut retrouver. Et au niveau des couleurs, bah d'ailleurs le jaune, c'est le premier coup qu'on le retrouve. Je pense que ça aurait été bien du coup de retrouver un petit peu de jaune sur le reste, parce que ça fait sympa au niveau, ça donne un peu de peps à la maquette, mais on le retrouve pas en haut en fait. Donc c'est Ouais, j'aurais bien utilisé ici, tu vois, pour quitter ce que ce soit très marqué, mais dans le active du menu, jaune avec typo noir, ça aurait bien marché, je pense. ouais, pour un petit peu plus de cohérence, rajouter un petit peu de des petites touches de jaune ailleurs, ça pourrait être pas mal aussi. Ouais. Après, moi, effectivement, je trouve que ça marche bien. Mais alors, limite, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais passé le Don't Miss Out derrière le bloc, en le faisant dépasser un tout petit peu, enfin, suffisamment, pardon, pour qu'il soit lisible. Mais ça aurait peut-être donné un effet un peu plus sympa du bloc qui écrase la typo. C'est un peu plus percutant, un peu plus rap. Je sais pas. Hein. Ouais, Parce que là, du coup, il est décalé, mais il est décalé, tu vois. Il y a encore cette histoire ici d'espace. Enfin, tu vas me dire qu'il est complété ici. Le show more, enfin, il y a un truc bizarre quand même qui est créé par tous ces éléments-là. Encore une fois, c'est vraiment pas grand-chose. Mais peut-être qu'en passant la typo derrière le bloc, tu l'as fait dépasser suffisamment pour qu'on lise. Tu vois, à partir de hop, au moins deux tiers des lettres, puis c'est lisible, c'est un petit effet qui est sympa aussi. ou rajouter des espaces pour séparer un peu plus du Voilà. chaud. Effectivement, marquer un peu plus les espaces. Allez, interview. Voilà, toujours la largeur de texte qui est respectée. Ouais. Ça manque un peu d'interlignage, je pense. Tu pourrais espacer un peu plus tes lignes.
Sinon, on va bien retrouver le title, le temps de lecture, l'auteur qui est mis en jaune. Pour le coup, tu vois là, il a mis la petite touche de jaune. Oui, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, là, on retrouve le jeune. Bah écoute, ça me paraît pas mal du tout avec les articles liés, encore un slider. En tout cas, c'est hyper cohérent graphiquement, tu vois. On Oui, retrouve ça là la même logique du find more, le même bloc. Donc ça, peut-être c'est vraiment top. pour le bloc citation, parce que je pense que c'est un bloc citation qui est en grisé. Ici, Peut-être là, rajouter, ouais. je suppose, est-ce que c'est un bloc citation? Je ne sais pas si elle est là. Mais Je sais pas. si c'en est un, je dirais qu'il faudrait peut-être rajouter un petit icône, peut-être en transparence pour de type bloc-notes pour montrer qu'en fait on est sur un bloc citation. Parce que Ouais, là, je ou ne sais pas en fait. exactement, ouais. Bah, c'est vrai que c'est typographiquement, c'est la même typo que le texte. Donc après, tu peux le passer. Là, du coup, vu que la contrainte du challenge, c'était utiliser au moins une typo serif, tu aurais pu ça la passer en bold serif italique et ça aurait pu être sympa aussi, quoi. Bah écoute, il me semble que on a vu tout. Je vérifie, hein. Je clique. Non, Figma ne me dit rien de plus. J'ai pas l'impression qu'il me tote. Non. Alors, bah, félicitations Victor. Je regarde si c'était ta première participation. Oui. Et bah écoute, continue, c'est très encourageant. Donc attention un petit peu à tes grilles. Ça, ce composant hyper cool, flèche peut-être un petit peu imposante, inverse le tag et temps de lecture, et puis t'es au top. C'est Rajouter une un petite bon. touche de jaune et puis Et c'est puis une bon. petite touche de jaune, merci. Et ça sera top. Alors, on va passer à la participation de Oriana. Moi, j'avais beaucoup aimé. Des tacos. Des tacos. Ah ouais, il y a pas mal de prototypes de bouffe, hein, donc. Alors, Skyland, je sais jamais quelle option. Est-ce que je peux mettre plus gros sur Figma? Yes. Ouh là là, c'est pas trop gros, non? Vous me dites dans le chat si c'est trop gros. Eh ben, ça, c'est le home screen. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi le terme que tu as C'est dit? le screen d'accueil, le home Oui. screen, pardon. Bah là, le fait d'être en plein écran avec ce qui est vraiment tendance aussi, le fait de partir sur une illustration, moi je trouve ça marche très bien. Avec vraiment le titre en très gros, très gras, et puis le bouton d'appel à action. Après, ça Yes, aurait été peut-être l'intitulé. Bon, ça match comme ça aussi. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça, mais ça match bien. ouais, moi j'aime bien les choses un peu audacieuses comme ça, donc je trouve que c'est vraiment top. Deux, trois petites réflexions. Le crédit, illustration par Ariana Sanchez, même si je trouve que il faut toujours, je vous rappelle, inciter les gens dont vous empruntez les illustrations si vous ne les avez pas achetées. Si vous prenez des illustrations, n'oubliez pas de créditer les auteurs. Donc voilà, peut-être baisser le crédit parce que du coup, du coup, il se trimballe un peu au milieu, là, enfin, dans le dernier tiers de la page. Et je sais pas si en fait le bouton de découvrir qui vient compléter la flèche est vraiment nécessaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une petite animation, un truc à trouver? Je sais pas. Mais avec Illustration très cool. Illustration est très cool. Donc on y va, allons découvrir. Mais vous voyez, donc il y a un petit effet de hover. Ouais. Tacos Tuesday de février. Donc c'est une espèce de newsletter, j'ai l'impression, il y en a. J'aime beaucoup la palette de couleurs. Ouais, c'est les Elle couleurs chaudes. match très bien. Ouais. Ça rappelle vraiment le tacos, en fait, hein, les couleurs. Ah, puis Ça là, on a rappelle vraiment encore. la partie texte où on peut scroller à l'intérieur. Yes. Et Le puis le texte est petit assez gros. vert qui rappelle le guacamole. Bref. Ici, là, ouais, en bas. Écoute, Oriana, c'est hyper bien hiérarchisé, je trouve, ici. C'est très original et très réussi. Ah, j'avais pas vu ça.
Donc, vous voyez les petits effets de hover sur les titles. Non, les cards sont top, hein. Je sais pas ce que tu en penses. Elles marchent très bien, ces cards. Ah, cool. Un petit gif. Puis là, Hop, le malgré même fait. Ouais. un fond rose avec un texte rouge ou rosé, ça marche bien, c'est lisible. C'est bien lisible. Ouais, il y a un super effort sur les couleurs. Marjorie dit, c'est top, j'aime beaucoup. Ouais. Je pense que normalement, ça doit sortir sur 100% de l'écran. Mais encore une fois, comme j'ai zoomé là sur Figma, ça doit pas tout à fait l'effet escompté. Mais je vois à peu près où tu veux en venir. Allez, Notaco, c'est encore chaud. Est-ce que je l'aurais pas carrément descendu en bas, pour que ça vienne vraiment compléter ce bloc et aller ici avec le Tacos Tuesday, parce que là, pareil, il se balade un tout petit peu. Par contre, j'aime beaucoup cette forme que tu as trouvée. Et du coup, je m'étais dit, c'est dommage. Je trouve que ça, c'est hyper original. Jamais vu un input mail comme ça, tu vois. C'est vrai. C'est hyper drôle. Moi, je trouvais ça hyper bien vu. Mais je trouve ça dommage que du coup, peut-être que ça aurait pu être un input normal. Après, je sais pas si tu sais faire les animations comme ça. Il y en a, mais c'est faisable sur Figma, il me semble. Arrête-moi si je m'arrête. Mais juste en cliquant sur un input normal et hop, il devient arrondi comme ça. Ça peut Avec être un super marrant. peut-être. Avec un smart animate sur un pass, normalement, ça doit marcher. Mais voilà, sinon les cards ici sont top, les titles, la hiérarchie. Hop, on a des petits effets de hover un peu partout. Non, c'est vraiment top, Oriana. Je vérifie qu'on a bien tout vu. Il y a une page en noir et blanc. Alors, où est-ce qu'il faut cliquer, dis-moi. En cliquant juste au-dessus, la partie principale de texte. Oui, voilà. C'est ça, ouais. Ouais, elle marche bien aussi, hein. Alors, sauf, voilà, ici, là, peut-être. Le archive qui se balade un petit peu. En fait, du coup, cette version-là, c'est pour une question d'accessibilité. Peut-être que ce soit. Bah, je sais pas. Je sais pas, ça, je saurais pas dire. Oriana me confirme dans le chat que c'est bien du full screen. Ouais, je suis désolé, Oriana. Je galère toujours avec les options de zoom de Figma. Mais oui, je me doute bien que ton overlay tout à l'heure sortait. Je vais le remettre. Où est-ce qu'il est? Il est pas compté comme une page. Je peux pas naviguer avec les flèches. On va y arriver. Mais je comprends bien que ton overlay, effectivement, ouais, est à 100%, voilà ici. Bah écoute, bravo, il y en a, super belle palette, pas grand chose à dire. Attention à des petits éléments comme ça qui se baladent. Attention parce que tu viens de créer, c'est pas des formes qui sont très très communes, surtout pour des boutons. Et donc du coup, voilà, fais attention aussi à ce qu'ils soient bien assimilés en tant que tels. Fais attention à bien aller fermer tes formes ici, en bas, à peut-être redescendre tous ces éléments-là pour que vraiment ils aient épousé la ligne et que ça ferme de manière plus harmonieuse les blocs. Mais un grand bravo, et le noir et blanc, c'est une erreur. Oui, je me demandais si c'était pas une page que tu avais laissé traîner. Félicitations, Ariana. Bah, c'était ta première participation, donc bah, pareil, on espère que. Non, c'était pas ta première, Ariana, je dis bêtise d'ailleurs. Pas la première fois que tu participes. Mais en tout cas, continue. C'est ultra cool et ouais, je suis très très fan de la palette, de la typo. Dis-moi, Ariana, si t'es, comme tu es là dans le chat, quelle typo tu as utilisé là pour le title et tout. Je suis curieux. Après Oriana, passons à Marion. Marion qui a choisi comme thème la féminité, matriarchie, queerness, scum. Est-ce que je te laisse commencer? Yes. Ah ben là, on est sur quelque chose de très propre aussi. Mais avec vraiment là le fait d'avoir l'image, une belle image d'entrée avec un slider. Un slider avec en mode fade. Au niveau des titres de menu, le fait que ce soit centré, c'est bien aussi. Au niveau des espaces, des sections, on est bon. Alors, il y en avait un, j'avais l'impression qu'il était un peu plus. Ouais. Dis-moi, C'était c'est toi plus qui bas. me guides. Plus bas? Alors, plus bas, j'avais un point à dire. Oui, c'était le self-care, où j'ai l'impression Yes. qu'il y avait un espace un peu trop important en dessous de j'en veux encore, plus important qu'au-dessus Ah du ouais. titre.
Donc, c'est surtout voilà, faire attention par au rapport au niveau footer, ouais. des institutions d'avoir les mêmes espaces à l'intérieur. Après, sinon, globalement, pas de remarques particulières à faire. C'est très propre. Les couleurs aussi, on a une cassure au niveau des différents layouts avec Yes. les couleurs. Les couleurs matchent bien. Rien de particulier là. Tu vois des points? Ouais, j'aurais peut-être changé. C'est très noir. Du coup, j'aurais peut-être mis les news États-Unis, les catégories. Peut-être j'aurais mis encore en gris bleu ou dans une autre couleur. Je sais pas si c'est la même couleur ou pas, mais j'ai l'impression que c'est la même. Du coup, peut-être voilà, juste traiter ces éléments-là en UI, les news, États-Unis, de manière un peu différente. Je suis pas fan des inputs ici avec les border bottom, c'est très matériel et dans le sens où bah, autant les compléter, les avoir en entier, je trouve, dans ce genre de cas. En fait, voilà pourquoi ça marche pas, parce que typiquement quand la flèche elle se balade comme ça toute seule pour le bouton envoyé, enfin là j'ai pas l'impression que ce soit un formulaire qui est complètement abouti. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, effectivement. Voilà. Parce qu'en plus, c'est enfermé dans une forme rectangulaire, et donc je pense que pareil, dans la théorie des formes, on s'attend aussi à retrouver des éléments peut-être rectangulaires. L'utilisateur, il peut se poser des questions de à quoi sert cette flèche? C'est pas vraiment comme un bouton. Ouais. On s'attendrait plus à avoir un bouton type CTA en fait. Ouais, et puis en plus, surtout dans vos CTA, quand vous voulez demander des appels à l'action, vous voulez récupérer des mails, des choses comme ça, je vais remettre la caméra 2 minutes, on se voit. C'est très important en fait de faire des appels à l'action, je m'inscris ou enfin, peut être plus simple, envoyer, mais juste voilà, guider l'utilisateur dans ce qu'il faut qu'il fasse et pour qu'il comprenne bien vraiment quand il scanne la page, bah, ok, ça, il va me demander mon mail. Mais voilà, guider l'utilisateur. On nous dit que le format des cartes se fait très mobile. Alors c'est vrai que là, celles-là, elles sont plutôt assez plus hautes que larges. Et on va retrouver un autre type de cartes ici où c'est plus carré, j'ai l'impression. Ouais. Why not? Là, Moi, je serais j'alerte à allé ce au... Ouais. c'est que, bah alors, c'est toujours en travaillant avec des sites publics. Après, faut penser aux clients qui se retrouvent avec des images avec plein de formats différents et c'est très, très compliqué après pour eux à contribuer en fait. Donc, Effectivement, ça peut c'est être vrai. sympa de varier au niveau des tailles, etc. Mais après, il faut aussi penser à ceux qui contribuent et qui mettent des images. Yes, je rajoute un petit peu de padding bottom en bas pour agrandir le bloc. Toujours Oui. compliqué quand vous déséquilibrez un bloc avec un title et le contenu. Donc l'espace que vous allez perdre ou que vous allez prendre en haut, allez le compenser en bas parce que je trouve que ça déséquilibre un tout petit peu ce genre de bloc aussi, parfois. Donc voilà, encore une fois, c'est votre œil qui doit faire foi sur ce genre de choses. Moi, personnellement, je trouve que ça déséquilibre, je sais pas ce que tu en penses. Oui, je sais que j'aurais mis effectivement le titre plus proche de la liste et augmenté Ouais, les peut-être. paddings à l'intérieur de la section. Allons découvrir les catégories. Est-ce qu'on peut... Où est-ce qu'il faut cliquer? Alors attends, là il y a un slider. Alors ça peut se faire en animation automatique. Je vois que c'est pas le cas. C'est juste un masque, hein, c'est pas très compliqué. Il me semble que tu avais parlé de ça, Jess, non, dans une vidéo. Est-ce qu'il y a une vidéo toi qui explique sinon t'as un Alors, thème tout trouvé là. c'est une vidéo que je voudrais faire justement, Ah bah voilà. où oui, effectivement, on peut créer un effet vraiment de slider en fait. Et puis avec un Smart Animate, avec un petit effet en fait. Donc, oui, carrément. Donc voilà, exclu sur KKTOS, vous aurez une vidéo de Jess. Elle s'est engagée à la faire sur les sliders. J'avais fait un vieil article là-dessus il y a 1 ou 2 ans, pareil, sur Medium, qui explique les principes. C'est écrit. Je pense que le fichier doit toujours être dispo. C'est le même principe hein, sur Figma XD. Mais c'est plus sympa, je pense, de l'avoir en vidéo. Mais bon, c'est vraiment une animation assez basique qu'il faut maîtriser quand, si vous faites de la UI. Il y a d'autres pages. Matriarche. Où est-ce qu'il faut cliquer? Ah oui, là-haut sur le menu, excusez-moi. Une page catégorique est plutôt cool, qui marche bien. Avec Elle marche très bien, cette page catégorie, ouais. un titre H1 qui est bien mis en avant. Yes.
Très bon choix d'image. Par rapport à l'état actif, pour savoir où est-ce qu'on se trouve, du coup, dans quelle page, là, on ne sait pas trop, en fait. Ouais, puis regarde, en fait, quand j'ai ma souris, j'ai le hover et ça pourrait être sympa. En Ouais. plus, graphiquement, ça marche, ça crée un espèce de gros bloc. Ouais. Mais graphiquement, c'est pas mal. Mmh. Et toutes les autres pages sont traitées de la même façon. Donc en plus, ouais, ça aurait été cool, ça, effectivement, Marion, que tu. Hop, tu vois, tu laisses ça en actif. Un petit ajout. On va retrouver le bloc news. Encore une nouvelle grille. Donc effectivement, comme a dit Jess tout à l'heure, tu crées beaucoup de formats d'images différents, de grilles asymétriques différentes. Et du coup, c'est vrai qu'en intégration, le développeur ne va pas devenir ton meilleur copain, la machine à café, généralement. Si tu voilà, si vous partez sur trop de ratios, voilà, il y en a encore un nouveau. Et encore, c'est pas pour lui que ça va être forcément le plus gênant, parce que lui, il met en background cover et puis c'est bon, mais c'est surtout pour le client où il va se retrouver avec des images. Il dit, bah, je voudrais pas que cette image soit coupée. Souvent, ils mettent des images avec du texte. Donc, si elle C'est est en mal vrai, c'est... coupée, voilà, c'est surtout ce type de problématique. C'est toujours pareil, ça va dépendre du public, mais voilà le type de problématique qui peut exister. Exactement. Hop, on trouve un petit slider ici. Il me semble qu'on a vu toutes les pages. Alors, Diès, est-ce qu'on ne ferait pas une petite pause? Dites-nous dans le chat si vous voulez faire une petite pause. On va boire un coup d'eau comme ça. Il est 19h30. On se retrouve vers 35, 36, par là. Je vais vous mettre la petite vidéo en attendant. Ça marche. Que je cherche. Merci à tous d'être là, de suivre ce live. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne de Jess, de vous abonner à la chaîne de Zika Kato Show si vous ne l'êtes pas. Et on revient dans 5-6 minutes. À tout de suite. À tout de suite.
On est revenu en live, Jess, est-ce que tu m'entends toujours? Je suis là. Super, hop. Allons-y, et on va passer au prototype de Paul. Beaucoup de musique et beaucoup de bouffe hein, sur ce challenge, on voit ce qui vous plaît dans la vie, mais bon, nobles occupations. Alors, allons-y, je vais essayer de zoomer, est-ce que c'est peut-être un peu trop zoomé, c'est pas ouf. Est-ce que vous voyez bien? Dites-nous sur le chat, sinon je vais peut-être le remettre quand même, voilà. Peut-être le remettre en grand. Écoute, Jess, je t'en prie, pour la reprise, allons-y. Je vais le dérouler quand même. C'est sympa, là, on est vraiment sur une couleur bien dynamique. Le fait d'avoir, j'aime toujours quand il y a des petits décalages avec le fond et une image qui se superpose tout en haut. Globalement, ça matche bien. C'est aéré. Au niveau des textes, là, on voit vraiment des différences au niveau des gris. Par rapport à des points qu'on avait dit, qu'on avait donné tout à l'heure. On a, il me semble, over sur les boutons. En fait, je pense que ça aurait été bien de mettre une petite animation, parce que là, je pense qu'au niveau animation, ça doit être du instant. Peut-être un petit dissolve. Au moins. C'est juste pour ajouter un petit peu. Avec elle est un tout petit peu abrupte, ouais. Au niveau des listes, c'est aéré. Un tout petit peu trop, je trouve, ici. Ah oui, effectivement. Oui, tout à fait. Sinon, la typo est canon. Je ne sais pas quelle typo c'est, d'ailleurs. Ouais, la typo des titres, là, bien grasse. Ouais, c'est arrondi aussi. Ouais. Après, un point, ce serait le footer que je trouve un peu grand. Ouais, et puis un petit peu vide peut-être aussi. Il ne se passe pas grand-chose. Ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'informations et on se retrouve quand même avec une hauteur qui est vraiment importante en fait. Ouais. Donc, peut-être à retravailler du coup le footer. La palette est très belle. Toutes les couleurs matchent très bien, je trouve. Oui. On a vraiment les différences de layout. Puis il y a du détail, tu vois, il a laissé une border noire, donc comme elle est sur tous les éléments, je suppose que c'est intentionnel. Mais je trouve que c'est bien, c'est du tout petit détail, tu vois, autour des images, mais ça vient ramener un peu de... Oui. C'est subtil, hein, mais ça vient ramener un peu de design, quoi. Et hop, on découvre un article. Avec le bouton. Ensemble. Ça, c'est bien aussi. Yes. On a bien le titre de section. Ouais, le fait qu'il y ait un bouton retour, ça, c'est toujours bien quand on est dans des articles. Ce qui peut être intéressant dans des articles, quand on passe d'un article à l'autre, c'est de pouvoir faire suivant, précédent. Mais en tout cas, pouvoir avoir un bouton retour à la liste, ça, c'est toujours bien. Ouais. Bah écoute, pas grand chose à dire sur cette page, elle marche bien. Hein. J'ai dit hier, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, mais c'est toujours bien quand vous présentez du texte fictif, effectivement, de montrer qu'il y a du gras, des liens, des choses, et pas juste de balancer du lorem ipsum en paragraphe, ouais. Parce que c'est un peu indigeste. Et ça aide aussi les gens à se projeter dans votre texte et votre contenu. Écoutez, il me semble que. Ah bah non, on n'a pas vu les events, sympa. Elle est très belle cette page aussi. Oui, avec le moteur de recherche du coup qui est bien mis en évidence. Yes. Le format affiche, là qui est tout à fait approprié, en mode portrait. Complètement. Non, elle marche très bien cette page, ouais. Oui. Ouais, c'est vraiment le footer à retravailler. Ouais, voilà, le footer où effectivement il y a ici où tu passes les réseaux sociaux à droite, mais voilà, il faut occuper un petit peu l'espace. Mais sinon, effectivement, super, super taf, Paul. Un grand bravo à toi pour ta première participation, puisque je vois sur Notion que c'est ta première participation. Donc chouette, ouais, moi je suis comme toi, j'aime beaucoup ces patterns-là. Enfin là, en tout cas, cet enchaînement-là, search form hero, c'est top. Et puis en plus, il a mis des encres. Au niveau de la navigation, quand on clique sur musique, du coup, ça scrolle. Ça, c'est cool, ouais. Et
Ça, c'était une des dernières mises à jour des prototypes. Oui, c'est vrai que c'est arrivé sur Figma il n'y a pas longtemps. Ouais. Oui. C'est aussi faisable sur XD, sachez-le. Alors, il me semble que c'est Clémence Animal Crossing, puisque on s'est parlé cet après-midi. Clémence, il me semble que tu es dans le chat. Tu peux te signaler si tu veux. C'est parti pour le monde. Ah, moi, j'ai jamais joué à Animal Crossing. C'est pas faute au studio d'avoir des fans, d'ailleurs. Mélanie, si tu m'écoutes. Alors, oui, dis-nous tes impressions. Et ben là, du coup, ça fait vraiment animation. Là, le fait d'avoir les feuilles en fond comme ça. Ouais. Ça habille bien. Après, j'aurais peut-être mis un peu moins foncé, peut-être une opacité un petit peu plus légère, mais ça marche quand même. C'est très ludique au niveau des couleurs. Mmh. Après, c'est au niveau des blocs, des sections, dernières nouvelles, les nouveaux d'Ironheart. Droite-gauche, où je trouve que ça fait des gros espaces, en fait. À revoir au niveau de cet espace-là. Ouais, peut-être, je vois ce que tu veux dire. Au niveau des typos, ça correspond bien à la thématique. Ah, les petites animations, regarde sur les cards, en bas. Ah oui, vraiment sympa. Il doit y avoir un petit animate là. Ouais. Et tu remarqueras aussi, tu vois, les petits ribbons là qu'elle a créés. Oui. Donc, c'est marrant, moi qui ai commencé genre vraiment en 2008-2009 dans le web, c'était un effet qui était ultra à la mode. Vous pouviez trouver partout des effets ribbon et tout. On se battait pour télécharger des PSD avec des éléments ribbon. À l'époque où on faisait encore du design d'interface sur Photoshop, il y en a certains qui doivent connaître. Et donc, ouais, Clément, ça fait des petits overlays. Très sympa. Et donc, ce petit effet ribbon, moi, que j'aime beaucoup. Ouais. Pour compléter les patterns, j'en ai parlé hier sur le proto, il me semble, de Margot. C'est très dur à travailler les patterns et c'est très vite lassant pour l'œil. Donc, le seul petit truc qui me dérange, moi, c'est que la pattern, elle va chasser en fait en haut du header et j'aurais aimé peut-être qu'elle s'arrête sous, enfin qu'elle commence, pardon, plutôt sous le menu pour délimiter un peu ce que j'appelle le pré-header. C'est toujours un peu moche. La navigation. Et ensuite, tu fais démarrer la pattern sur le content, tu vois, mais juste peut-être séparer un tout petit peu plus les blocs. Là-haut, quoi. Ouais. Sinon, pareil, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime tout. Est-ce qu'on a tout vu, Clémence? Combien de pages as-tu faites? 2. Et puis, cette shape en haut et tout, c'est plutôt sympa. Enfin, après, voilà, comme a dit Jess, je trouve que c'est très ludique. Et c'est très sympa. Alors, je vois pas où est-ce qu'il faut cliquer. Oui, je cherche aussi. Donc, je vais y aller à la mano. Désolé. Alors, une page de contenu assez intéressante à commenter. Alors, vas-y. Oui, là, je dirais les textes. Faut toujours faire attention que ce soit pas trop large. C'était ce dont on parlait justement tout à l'heure. De ne pas dépasser peut-être 900 pixels de largeur au niveau du confort de lecture. Yes. Donc, du coup, tu peux jouer avec les visuels pour réduire aussi tes largeurs de texte. Il y a ça, après, toutes ces petites icônes qui se baladent comme ça. Je trouve qu'elles sont sympas, mais je sais pas, il y a une impression de... Voilà, ça Clément, c'est des choses qui sont dures à faire en intégration. Alors, où tu les passes en background, mais c'est bon, quasiment impossible d'avoir ensuite le texte qui va pas merdouiller dessus. Enfin, donc, à vrai, là, c'est plus une histoire de layout. Je pense de respect du layout, mais voilà, c'est plus penser intégration. Je sais que Clément, c'est ergonome de formation. Donc, bravo déjà de te mettre un Figma, parce que c'est chouette. Je sais qu'elle a beaucoup regardé tes vidéos. Donc voilà. Donc attention à ces petits éléments. Ici, c'était très sympa de commencer le paragraphe par une icône, mais peut-être que ça devrait revenir, tu vois, qu'une fois
ou deux, chaque fois tu changes d'idée ou un truc comme ça pour tes titres, c'est très sympa. Et puis, attention aux alignements, tu vois, ici, celle-là, elle est plutôt décalée, il y a un gros margin left, ici, j'en ai moins là. Donc voilà, attention toujours à cette histoire de ligne, si je scroll, vous regardez ma souris, hop, ici, je vais perdre cet alignement. Ici, pareil. Alors, peut-être que c'est centré, non, c'est même pas centré. Donc voilà, attention juste un peu à l'ambiance générale de ta planche, de ta mock-up. Sinon, moi, j'aime bien. Comment ? Oui, trouver une cohérence. Donc, ouais, c'est ça. D'alternance entre image, texte. Et voilà, qu'on visualise direct la logique qui a été faite. Mais sinon, c'est top, les petits réseaux sociaux en haut. Donc voilà, bah écoute Clémence, on a tout vu, il me semble bien vu ici là en bas le rappel des autres nouvelles. En tout cas voilà, tout ce qui est cohérence graphique et tout, ça s'est bien respecté, donc c'est voilà, t'as une belle intention graphique qui est cohérente tout du long et ça c'est chouette. Il y a des petits personnages dans le footer et tout, ça ramène vraiment de la vie et ça c'est vraiment chouette. C'est des designs qui sont assez durs à faire au milieu de l'enfance. Moi personnellement je suis pas très à l'aise avec ce genre de direction artistique ou de UI, j'avoue que c'est pas ce que je sais faire de mieux. Je trouve que c'est assez compliqué, donc bravo Clémence parce que tu t'en es très très bien sortie. Je sais pas si t'as déjà travaillé sur cet univers, Jess, que t'en penses? J'ai pas eu l'occasion de travailler sur ce type d'univers et en tout cas là, bah, comme je disais, il y a le côté ludique, donc c'est respecté. Allez, dernière chose Clément, j'aurais peut-être aimé que tu ramènes une couleur un peu plus froide, autre que le vert, peut-être un bleu ou quelque chose qui vient voilà, parce qu'en fait t'es sur des couleurs chaudes mais très désaturées et je sais pas, peut-être aller rajouter un peu de couleur, une couleur un peu plus saturée, ça aurait peut-être ramené aussi un tout petit peu plus de vie et de fantaisie, étant donné qu'on est sur le monde des enfants. Je regarde le logo, justement, ça n'a pas récupéré la couleur du logo, mais il me semble pas. Mais bravo, un grand bravo Clémence, c'est super chouette, n'hésite pas à continuer à participer. On sera super content de commenter tes prochaines participations. Alors, on va passer à Victoria. Et Victoria nous a écrit sur le Slack. Pardon, Jess, je vais te masquer parce que Victoria est sourde mais malentendante. Donc, il faut qu'on fasse attention, je l'ai promis, à bien articuler parce que le sous-titrage automatique de YouTube, normalement, n'est pas trop mal. Mais j'avais dit à Victoria que sinon, on sous-titrerait sa partie en post-production. Je ne sais pas si c'est possible de le faire. Mais on essayera, donc voilà. Donc, comme Victoria est sourde et malentendante, on va s'afficher tous les deux pour qu'elle puisse lire sur les lèvres si c'est possible. C'est pas évident. D'accord. Mais bon, je l'ai promis qu'on ferait tout le possible. Donc voilà, on va s'afficher comme ça. Je vais afficher le prototype de Victoria. Est-ce que tu veux commencer? Bah déjà, là, ça change parce qu'on a un site sur le voyage. Donc, après la nourriture et la musique, le voyage. Donc, on est bien là ce soir. Au niveau des couleurs, déjà, on est sur quelque chose de très agréable et d'apaisant au niveau des teintes de type pastel. Au niveau du texte qui est dans la première vignette, je pense que c'est peut-être un peu petit. Peut-être moyen de... Le texte est petit, ouais. Oui, parce que là, du coup, on est sur un titre. Donc, c'est vrai que pour un titre, on penserait avoir quelque chose d'un petit peu plus gros en termes de taille de typo. Après, sinon, là, ça match bien. C'est un slider, si tu as regardé. Slider. Ah oui, effectivement. Alors, peut-être, pour que l'utilisateur puisse comprendre qu'il y a un slider, c'est toujours bien de mettre soit des petites pastilles, soit faire en sorte qu'on puisse voir qu'il y a une vignette juste après, en fait. Donc, là, il manquerait un petit truc pour qu'on comprenne qu'il faut scroller. Sinon, le fait de pouvoir scroller, là, c'est sympa. Les petites cartes, là, je trouve qu'elles marchent plutôt bien. Oui, et là, il y a les petites puces. Ouais. Donc là, il y a un slider aussi. Oui, il y a un slider qui serait en mode 3x3. Mmh.
peut-être moyen du coup de garder en fait les petites pastilles et de mettre un effet dessus pour qu'on puisse passer en cliquant sur la deuxième pastille, on peut passer en fait à la slide suivante. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Tout à fait faisable, non? Ouais, je pense que c'est faisable, ouais. Oui, c'est tout à fait faisable, justement, avec ce qu'on faisait avec le menu d'encre tout à l'heure, en cliquant, on peut exactement faire la même action, du coup, sur ces pastilles. Et passer, du coup, d'un slide à l'autre. Alors, moi, je vais faire une toute petite réflexion. Je vais me mettre en grand, pardon, déjà, je vais te masquer. Toute petite réflexion, c'est toute petite incohérence dans les marges ici, parce que ce n'est pas tout à fait aligné. Les tags, la date en haut à gauche et le tag à droite ne sont pas tout à fait alignés avec le bloc qui contient le title. Donc voilà, juste un tout petit détail, ça se joue à quelques pixels, c'est très peu, mais voilà, ça aurait créé une cohérence, c'est toujours cette histoire de ligne. Hop, on encadre ces éléments, il faut créer des lignes pour les yeux, c'est ça qui est important. En termes de layout, je trouve qu'il est chouette, en tout cas, la diversité des sections, encore ces deux petits traits, donc on avait vu tout à l'heure title à gauche et un long trait, une longue border, bah là c'est voilà, centré, ça marche très bien. Ouais, on distingue bien, bien toutes les sections. Il me semble qu'il y a un petit problème d'alignement dans le bloc newsletter, je pense pas que ça soit centré, ça tire un peu vers la droite, pas grand chose. Attention aux ombres portées, ouais. Ouais, en hauteur, ouais. Attention aux ombres portées trop fortes sur vos inputs. Et puis, tu pourrais aussi faire un input un peu plus haut aussi, là. Je pense qu'il doit faire à peine 24-26 pixels. Donc, n'hésite pas à le passer à 32-40. Et la couleur du footer est très sympa, je trouve. Oui, elle est vraiment sympa. Et en plus, le fait d'avoir vraiment la map et avec l'image derrière, là, c'est vraiment sympa. Moi, je l'aurais peut-être même agrandi, tu vois, tiré pour créer un vrai effet de style et quitte à serrer mes items à droite parce qu'il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Oui, c'est clair. Ça aurait pu être sympa, ouais. Ouais, le mettre vraiment sur toute la hauteur. Ouais, le plus gros possible. Ouais, ça pourrait faire vraiment ça. Ça aurait pu faire un effet graphique assez sympa. Alors, découvrons une page de contenu. Je suis désolé, je ne sais pas où est-ce qu'il fallait cliquer. Alors, allons-y. On la découvre ensemble. Une page de blog. Alors, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit, Jess, donc vas-y, si tu veux répéter. Du coup, comme on l'a dit précédemment, ça va être au niveau de la largeur du texte. Toujours ce fameux confort de lecture dont on a parlé juste avant. Donc, voilà, toujours faire attention de ne pas dépasser, on va dire 900 pixels. Au moins, tu es sûr d'être bon... avec cette largeur-là. En plus, tu as une image plus basse qui est moins large. Donc, ne pas hésiter. Il n'y a pas besoin, du coup, finalement, d'avoir un texte qui prend autant de place. On peut très bien avoir du blanc de part et d'autre. Ça matche très bien. Ouais, tout à fait. On remarquera qu'il y a un breadcrumb, ce qui est plutôt chouette, un fil d'Ariane en bon français. Peut-être encore une fois un petit problème d'alignement ici là. Hop, voilà, on comprend pas forcément quel est le layout de ces colonnes, où est-ce que ça doit se situer. Sinon, bah, écoute, je te suis complètement sur le texte. On a un text center, un texte qui est centré avec un texte qui est aligné à gauche, toujours un peu bizarre comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Et peut-être un point à savoir, c'est des règles à respecter, enfin des règles, comme on dit, il y a des fois il faut casser les règles aussi, mais au niveau hiérarchie visuelle, d'avoir peut-être un H1, un titre principal qui soit un peu plus gros complètement. Au texte principal, pour qu'il y ait vraiment une cassure entre vraiment le titre principal et le texte. Ouais, je suis assez d'accord. Le menu est sympa, en sérif et tout. Enfin, voilà. En tout cas, moi, je trouve que Victoria, pour une première participation, c'est vraiment top. Oui, un grand bravo. N'hésite pas à continuer à participer aussi. Et puis, on sera très heureux de faire les reviews de tes prochains protos. Ensuite, excusez-moi, je regarde. Après Victoria, on passe à Louise, dont c'est aussi la première participation. Alors, un blog en ligne magazine qui s'appelle Présente.
Alors, Jess, est-ce que tu veux commencer? Alors, on a la distinction entre les sections aussi. J'aime beaucoup le fait d'avoir le petit rectangle orange derrière. Orange, ouais. Les décalages, j'aime beaucoup quand il y a des décalages. Par exemple, bah oui, là, le bloc à la une. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit effet de hover où ça le décale, tu vois. J'étais en train de le chercher. Après, ça va être au niveau de la liste. C'est bien, tu as prévu du coup des textes plus ou moins longs, donc on voit le comportement. Après, on est dans un cas un peu parfait parce que on a un texte qui est plus long au milieu, mais du coup, si on avait le premier article qui sera avec un texte plus long et les autres plus courts, ça ferait déséquilibré en fait. Donc là, visuellement, c'est équilibré, mais concrètement, il y aurait un déséquilibre qui pourrait se créer facilement. Donc que faut-il faire Alors, c'est soit créer en fait un espace blanc qui serait toujours de la même hauteur, limité en termes de caractère, de toute façon, ça c'est sûr. Ouais. Mais oui, avoir des blocs qui seraient quand même de la même hauteur, du coup. Ouais, alors toi qui connais bien l'intégration aussi, tu sais que c'était très chiant à faire jusqu'il y a quelques années. Je me souviens, moi, quand je faisais de l'inté en 2012-2013, effectivement, c'était un problème récurrent et il fallait régler ça via du JavaScript pour forcer la hauteur des blocs. Aujourd'hui, avec du Flexbox, c'est faisable en CSS 3 et c'est plutôt simple. Donc voilà, mais comme tu l'as dit, effectivement, Louise a choisi un espèce de cas parfait où tout match, mais c'est rarement le cas. Oui, du coup, ça donne un effet équilibré, mais c'est vrai que si on mettait celui du milieu à gauche, qu'on inversait, ce serait plus différent. Et donc voilà, tu as donné toutes les bonnes astuces. Donc, où on réduit le nombre de caractères, où on fixe la height du bloc. De toute façon, si vous fixez la height, vous serez obligé de masquer une partie du texte si c'est trop long, ou alors vous mettez un nombre de caractères limité. Enfin bref, il y a plein de techniques pour se sortir de ça, sans souci. Hop, on va regarder le bas de la page. Ah, c'est sympa du coup de se retrouver avec les illustrations qui, on a l'impression qu'ils sortent du footer. Est-ce que ça serait pas du Pablo Stanley, ça, je sais plus comment s'appelle la lib, c'est pas OpenPip ou un truc comme ça? Mais ça ressemble bien. Oui, ça ressemble dans le genre, oui. Après, au niveau de l'espace dans le footer, peut-être diminuer un peu en haut, en bas, mais en tout cas, la haut. À quoi qu'il y a peut-être un petit peu plus de pixels en bas que. Ouais, et puis c'est peut-être un peu serré aussi. Mais bon, ça tient à rien, pas tant que ça. Et puis l'input, je trouve, tu vois, qu'il est un peu petit aussi. Donc, globalement, ça matche bien. C'est là où globalement, c'est top. La palette est chouette. Hein. Ouais. Et donc, allons lire les polonaises n'ont plus peur. La taille de texte, la largeur de texte est respectée. Yes. Avec toute la partie centrée. Ah, on a un bloc citation qui est bien mis en avant aussi, c'est sympa. Mm-hmm. Il est très beau ce bloc, quoi, toi. Ouais. Là, il n'y a pas de doute. Bah non, écoute, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Ce que j'aime bien, c'est faisable en CSS. C'est le fameux M qu'elle a mis en tout début de texte. Qui est la pseudo-classe First Letter, il me semble, en CSS. Ouais, c'est ça. Exactement. Et t'allais parler du bloc partagé. J'allais parler quoi? Ouais, je ne suis pas convaincu par le blanc sur ce jaune. Beige, je ne sais pas trop comment dire. Encore une fois, je l'ai dit hier, c'est un peu nos couleurs chez KKTOS, donc j'adore. Mais vous savez aussi, entre nous, que je suis un petit peu daltonien, donc je ne m'avance pas trop sur les noms de couleurs parfois. Mais ça m'a l'air quand même jaune pâle. Moi j'aurais juste carrément enlevé le fil, j'aurais juste peut-être laissé la border pour que ça se détache et que ça soit un tout petit peu plus fin ici. Rappel du footer, c'est top. Et là, j'allais dire, est-ce que j'aurais pas tiré ce bloc à 100%? Je ne sais pas. Non, je ne trouvais pas ça gênant.
Non, ou alors est-ce que tu l'aurais pas décalé plus gros, je sais pas, ou le titre un peu plus gros peut-être, je pense, comme tu Ouais. t'avais dit avant. Le titre, par contre, effectivement, il manque. Ouais, il faudrait plus gros, Un oui. tout petit peu, je pense, ouais. Ouais. Est-ce que nous avons tout vu? Yes, il me semble que oui. Bah Louise, bravo. En tout cas, je trouve qu'il y a des super belles intentions graphiques. Je pense que... Donc attention à ces hauteurs de bloc, effectivement, c'est toujours un peu touchy. Oui, c'est toujours la problématique principale sur la plupart des sites. Ouais, effectivement. Mais c'est pour ça aussi que l'exercice était intéressant, parce que je savais forcément que ce point-là serait abordé pendant le challenge. Donc, un grand bravo à toi. Et on va passer à, il me semble, Delphin, qui nous a fait un pourri Normandie qui a bien fait rire les gens sur le Slack. Alors, toi, tu es du sud, donc tu connais pas ça, la pluie. La Normandie, je suis jamais allée. Il Bah y a plein de soleil et c'est très bien comme ça. Je suis d'Aix-en-Provence. ouais. Donc on va retrouver un menu ferré à gauche. Ça, je trouve ça chouette. Oui. En position fixe. C'est cool. C'est pas forcément un truc qu'on voit souvent, mais c'est assez audacieux. Donc bravo Delphin. Je vous passe la page en speed qu'on regarde. Et puis si tu as des réflexions, vas-y. Rien de particulier. En tout cas, au niveau des formats des images, on est sur tous les mêmes formats. Yes. Donc, pas de problématique particulière. Je trouve le ratio un peu tordu quand même ici. Après, ça peut être un effet style, mais peut-être que tu aurais dû ouais, monter les textes. Je sais pas, peut-être faire les textes en haut de la carte, je sais pas. Ah, c'était Blush, les élus d'avant, me dit Tom sur le prototype de Louise. Mais effectivement, Blush, bien vu. C'est bien, je me disais bien que c'était de notre petit Pablo Stanley. Delphin, tout petit problème. Attends, je reprends la tablette graphique. Tout petit problème d'alignement ici. Regarde sur ton bloc email qui est pas tout à fait aligné avec la carte ici. Ah, c'est bizarre parce que moi je le regarde sur un autre écran et j'ai pas la même chose. C'est Ah, vrai? attends, scroll. Parce qu'en fait, tu as commencé à scroller. Non, non, scroller horizontalement. Ah, pardon. Voilà, parce que moi, Attends, j'avais peut-être que pas je vais la même chose. faire. Ah, autant pour moi, Delphin, je suis désolé. Je vais faire un restart sinon pour être sûr. Et là, c'est bien aligné. J'ai rien dit, Delphin, pardon. Par contre, regarde, là, il a montré un état de hover en mettant une petite souris, c'est marrant. Ah oui. Je vais zoomer pour que. Voilà, mais donc ça, tu confirmes que c'est faisable en animation sur Figma aussi, si je dis pas de bêtises. Oui. Ou au pire, tu peux toujours faire un autre écran et rajouter un Smart Animate et ça te donnera toujours cette petite impression. Est-ce qu'on peut mettre on peut mettre des animations dans les variantes ou pas? Pas encore. Pas encore. Alors en fait, justement, c'était censé être prévu pour le mois de janvier, une grosse mise à jour sur les prototypes et du coup, au niveau des variantes, pouvoir associer, enfin créer des prototypes directs, c'est-à-dire que d'avoir un bouton avec son effet de hover actif, etc., qu'on crée un prototype, voilà, on n'aurait plus qu'à poser le bouton et hop, c'est bon, on aurait toujours nos boutons Avec prototypés. l'animation embarquée, quoi. Ouais. Et ben, c'est pas arrivé, je sais pas au final quand est-ce que ça va sortir, puisque c'était censé sortir en janvier. Donc, on est beaucoup à l'attendre. Ouais, c'est vrai que c'est une feature qui est plutôt cool. Après, moi, j'adore, je suis assez fan des variantes sur Figma. Je trouve que le concept est assez malin. La UI est plutôt bien et tout. Ouais, moi, c'est, j'aime bien. Mais donc, voilà, Delphin, quoi d'autre? Bah, le menu à gauche, c'est bien vu. Avec le petit trait, c'est cool. Non, c'est chouette. Les tags sur fond blanc, je suis pas ultra convaincu. Je pense qu'il y a une autre couleur. Chercher le blanc sur gris ici avec ta border. Enfin voilà, il y a un truc un tout petit peu plus fin que tu pourrais trouver, je pense. On va cliquer sur un article, donc. On va le découvrir ensemble. Bah, c'est propre, hein. Toujours la largeur respectée, le bloc citation qui est bien mis en avant, on sait que c'est un bloc citation. Ouais, juste sentez le nombre de partages en haut qui se balade sur une ligne qui n'existe pas, qui n'existe nulle part. Donc peut-être que tu aurais dû, voilà, baisser ce content juste au niveau de l'image pour vraiment faire démarrer la ligne ici.
Alors, c'est pas possible de le faire en prototype, mais peut-être qu'en fait, les tags et les partages, on aurait pu les mettre sous l'image. Et limite, quand tu arrives en bas, parce que j'ai bien compris qu'ici, il n'y aurait plus la place, bah, tu peux remonter l'image ou la faire disparaître, je sais pas. Il y a peut-être des trucs à trouver. C'est plus des animations un peu complexes à Voilà, aller chercher. je pense pas, enfin, je Non. vois pas pour l'instant comment faire ça. On peut pas, mais je crois que sur les animations de type scroll, je suis pas sûr qu'un jour ça arrive sur ces logiciels de prototypage. J'adore les faire sur Webflow, je trouve que c'est pour ça que je suis un grand fan de Webflow, c'est surtout pour ces animations scroll enfin, que tu peux faire. Et en inté, du coup, ça va, mais c'est vrai que là, au C'est vrai que là, prototypage. c'est plus compliqué, ouais. Oui. Je vérifie si on a tout vu. Delphin, il me semble que oui. Bravo, la météo, bien vue. Je suis pas sûr que tu as le même alignement à gauche et à droite. Donc voilà. Petit truc, depuis le début, là, ça me perturbe un petit peu. Pense qu'il a gardé la place pour le trait, mais du coup, ça crée un déséquilibre global sur tout le reste, en fait, oui. Ouais. Peut-être que tu aurais pu enfermer cet élément météo dans un espèce de bloc. Tu prends du noir à demi, tu le mets à 1% d'opacité et tu mets tout ça derrière, mais ça aurait peut-être enfermé ce bloc météo un petit peu. Parce que là, tu as un peu l'impression qu'il se balade en bas et que, comme voilà, il est un peu plus à droite qu'à gauche. Il y a une toute petite pétouille d'alignement, mais c'est vraiment rien. Tom qui dit on attend clairement les interactive components. Ouais, c'est vrai que sur IDE, ça arrive. Ça existe depuis quelques temps, mais c'est pas oufissime sur tous les points non plus. C'est un peu chiant quand on passe d'un state à l'autre. Mais ça marche quand même pas si mal que ça. Bravo Delphin pour ta première participation. Bah, j'ai hâte de découvrir la suite. Et on passe à Laurie, qui est une habituée des challenges. Donc vas-y, je vais te laisser la primeur. Bah là, on est sur quelque chose de vraiment sympa là, au niveau couleur. C'est apaisant. Ça donne envie d'aller à la mer, Ouais. là. Après, ça va être. Alors, du coup, il y a un hover sur chacun des intitulés. Donc, ça, c'est cool. Par contre, ça va être au niveau des couleurs. Par exemple, si tu survoles le snow au niveau du menu. Ah, pardon, ouais. Là, au niveau contraste, même rien que là en regardant, c'est pas C'est un tout petit super peu beau. light. Ouais, c'est un petit peu light. Après, globalement, c'est super sympa. Là, le hover des boutons, où ça donne l'impression de piquer sur lire la suite. J'adore cet effet personnellement, ouais. Et puis Beaucoup. surtout quand il est bien fait en fait. C'est-à-dire que ça dépasse ni trop ni pas assez. Enfin voilà, Ouais. bravo Laurie. Et là, ça donne vraiment l'impression qu'on appuie dessus. Donc, j'aime beaucoup. Au niveau des sections, on a vraiment du coup, bah, j'aime bien quand il y a le à la une avec le trait et le voir plus Ouais. au bout. Au Même une niveau. couleur différente si tu regardes par section, c'est plutôt. C'est Oui. donner du mal, Laurie. Ouais. Oui. Du coup, ça, oui, J'adore ça la donne. palette. Oui. J'adore cette palette, ouais. La palette pastel, comme ça, j'aime beaucoup aussi. Au niveau des espaces, rien à dire. C'est vraiment tout clean là. Le footer, il est bien proportionné par rapport aux informations et visuellement comment ça a été hiérarchisé. J'aime bien le petit logo là, je sais pas si c'est toi qui l'as fait, Laurie. C'est ultra chouette. Et donc où est-ce qu'on peut cliquer? Est-ce qu'il y a d'autres pages? Voilà, 27 pages. Alors, je sais pas si on va avoir le temps de tout regarder, mais on va essayer d'en faire le plus possible. Sur cette page article, bah, des choses qu'on a très souvent dit, donc les layouts décalés, mais attention, quand vous décalez comme ça, vérifiez que vous êtes quand même bien toujours dans votre layout principal. Allez pas créer des exceptions comme ça pour vos devs parce qu'ils vont maudire. Parce qu'en fait, une image comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle dépasse en overflow hidden, en HTML, qu'il faut créer un conteneur et compagnie, il va vous dire que c'est compliqué. Donc voilà, attention à ces petits décalages. Il faut penser au responsive aussi. Et au responsive, ouais. Ouais. Ah, le retour aux actus, ça c'est toujours bien d'avoir un bouton retour. Ouais. Ah, et puis article précédent et suivant, ça j'aime bien quand il y a ça aussi. Tout en bas, on a les. On peut passer d'un article à l'autre en fait. Yes. Et surtout, ouais, quand ils voilà, ils disent quel article c'est. Oui, Ça, c'est cool aussi. tout Ah, donc voilà, je comprenais pas pourquoi il y a beaucoup de pages, mais je suppose que c'est pour ce slider. Marche très bien. fait.
Il marche très très bien. Je sais pas pourquoi j'ai 27 pages alors que j'en vois pas tant que ça. C'est toi qui connais mieux Figma que moi. Bah, du coup, là, je vois qu'il y a une autre page détail. Quand tu cliquais, si tu retournes sur la page détail, bah, c'est plusieurs pages détail. C'est ça. Hein. Ah voilà. Ah, il est très beau cet article aussi. Puis là, ça matche bien le fait d'avoir la catégorie, la date, le temps de lecture. Ouais. Ouais, tout l'enchaînement d'informations est très bien traité. Ouais, c'est très doux, en tout cas, c'est très apaisant. C'est ça que je... Si je voulais forcer le trait, je l'ai dit hier, Laurie, je crois, je sais plus si tu étais là, mais sur les typos, donc avec sérif, pas trop forcer l'interlettrage, parce que l'idée des typos sérif, c'est donc ces lignes sous les petits embattements là. Pardon pour les puristes, sous les lettres qui vous aident à garder la ligne pour l'œil. Et donc, si tu les écartes trop, elles perdent un peu leur intérêt et leur vocation première, généralement. J'y vais vite, mais j'ai l'impression qu'on a tout vu. Du coup, tu me confirmes? Oui, apparemment, c'est ce qu'elle disait qu'il y a. Donc, elle dit oui, c'est pour gérer les sliders qu'il y a 27 pages. Ah, c'est ça. Il y a 3 pages, c'est ça. Hop. Ah, ouais, mais c'est vrai que regardez, je peux afficher les commentaires dans le chat. J'avais oublié. Bah bravo Laurie, c'est super beau. C'est Bravo. super, super beau. Dernier petit truc, là tu as une hiérarchie, je pense que tu as voulu. Je pense que c'est. Pardon, je perds mes écouteurs. Je pense que tu as les mêmes espaces. N'hésite pas à rapprocher un petit peu tes éléments ici pour qu'ils vivent peut-être un peu plus ensemble. Pareil, ça se joue à quelques 3-4 pixels, mais voilà. Mais c'est vraiment top. Bravo Laurie, et j'espère te revoir très vite. Et après la plage et le surf, passons au sport de glisse et au roller. Et c'est le prototype de Aurélie. Il me semble t'avoir vu dans le chat, Aurélie, qui avait adoré l'humour dans le prototype. Je ne sais plus qui c'était. Désolé, mais donc du coup, à toi. Est-ce que tu veux commencer, Jess? Vas-y. Nicole. Qui est-ce que j'aimais le roller quand j'étais petit en plus? Eh ben, écoute Aurélie, j'aime beaucoup l'univers que tu es allé chercher en tout cas. Donc, tu es allé chercher des typos qu'on appelle des typos handscript, faites à la main, qui sont pas du tout des typos évidents à travailler, mais qui en l'occurrence correspondent bien à l'univers. Et puis, je trouve que tu as choisi une bonne typographie handscript dans le sens où il y en a plein, il y en a beaucoup qui sont pas de bonne qualité. Là, celle-là, elle est mine de rien assez droite, tu vois, sur les jambes du A. Enfin, elle a des petites irrégularités qui vont bien avec le milieu du roller, du freestyle, du freeride et tout. Et donc ça, c'est plutôt cool, je trouve que ça marche vraiment bien. Title et ce que je vais appeler le hero paragraphe ou le paragraphe d'introduction, ça manque peut-être un tout petit peu de contraste. Pardon, je suis passé sur une autre page en fait. C'est là où je voulais dire. Là, ça manque un petit peu de contraste. Enfin, pas de contraste, mais de hauteur. C'est-à-dire que ton héros est un peu petit, non? Je trouve que c'est un peu ratatinant en haut de la page. C'est vrai qu'on ne distingue pas trop du coup le à la une de Actu Roller. Ouais. Donc ça mériterait effectivement une plus grosse distinction. Bonsoir Aurélie, ça nous fait plaisir que tu sois là pour écouter ça. Donc on va prendre le temps. Ouais, donc Aurélie, ces sections hero généralement qui sont tes articles à la une et tout, fais-les respirer puis hop, grandis un peu l'image. Là, ton image, elle est très très étirée. Donc tu sais qu'en design on pense en colonnes, donc si là tu étais sur 12 colonnes, bah là par exemple ça serait 9 colonnes et 3 ou 8 et 4. Essaye de faire un 6-6 ou de trouver voilà des ratios qui soient plus harmonieux pour ce type d'élément parce que c'est quelque chose que tu veux vraiment mettre en avant. Et puis ce format d'image très allongé alors, correspond bien à ton choix photographique. Mais c'est pas toujours facile à travailler. Et puis là il y a un publié par Acturoll qui se balade tout seul à droite. Essaye de ramener ces infos à gauche. Là, tu crées, je vais essayer, pardon, de mettre en plus grand écran, sinon vous pouvez les voir sur le live. Hop, je vais zoomer, voilà. Là, c'est ferré à gauche, ferré à droite, et du coup, c'est pas évident, je trouve, en termes de lecture. Surtout après, ça peut créer un déséquilibre du coup avec le titre qui est juste en dessous. Ouais. Si on avait un titre même encore plus court. Regarde ici, là. Oui, c'est ça. Typiquement. Donc voilà, attention à ces petites choses. Ou alors tu peux passer, tu vois, l'auteur en dessous de la date. Enfin, tu juste aurais dû trouver une petite,
une petite hiérarchie qui te convient. Néanmoins, les petites formes en bas, elles sont très sympas. Ouais. Ce que tu aurais peut-être pu faire, c'est rattraper ta couleur là, de ces patterns, de ces petites formes, et la rattraper juste ici en dessous. Et du coup, ça aurait peut-être permis une plus grosse continuité entre, tu vois, ces formes ici et ici en bas, la couleur du bloc. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que j'aime bien là, le fait qu'il y ait un petit chevauchement au niveau de la map qui sort. Ouais. Ouais, ça marche très bien. Très sympa la galerie Tweak of the Day avec ce soulignement. Est-ce que tu l'as déjà? Ouais, on l'a partout. Oui. Donc graphiquement, c'est bien cohérent. Je sais pas si vous entendez mon chat qui est en train de miauler. Les dates, les events qui sont en incliné. Ouais. Ouais, tes petites cartes marchent très bien, Aurélie. Attention, encore une fois, je le dis souvent, détachez vos éléments. Là, tu as la même couleur sur ta carte, tu as la même couleur sur le background. Quand tu les détaches comme ça avec une shadow, ça doit vraiment être le dernier recours. Il y a toujours d'autres options pour être plus fin et plus harmonieux que de détacher tout le temps avec des shadows. Parce que je le répète, c'est pas évident à travailler et c'est pas toi qui me diras le contraire, je pense, Jess. D'avoir des belles shadows harmonieuses et assez fines, et voilà. Il y a quelques techniques. Et donc Aurélie, voilà, il y a peut-être une autre astuce, peut-être que le blanc serait en fait tout simplement la bonne réponse. Oui. Dernière chose sur le bloc newsletter, je parle souvent de la théorie des formes. Ici, j'ai donc un rectangle avec un border radius qui doit être compris à vue de nez entre 8 et 12. Et après, j'ai un input qui va être un border radius 100 et le bouton aussi. Ce qui fait que j'ai une, deux, trois formes. Moi, ce que je te conseille dans ces cas-là, c'est de simplifier en passant le bouton, on l'a dit tout à l'heure, dans l'input, éventuellement, ce qui fait qu'on n'aura plus que deux formes visuellement, parce que si le bouton est dans l'input, bah, il appartient à l'input, et du coup, l'œil s'habitue plus facilement. Et puis, l'enchaînement title, paragraphe, input, c'est quelque chose qu'on voit pas tellement. On aurait quand même tendance, même si, comme a dit Jess, c'est bien de casser les codes, c'est bien aussi parfois de respecter les codes pour mieux les casser après, et de passer par ces étapes successives. Donc, peut-être juste augmenter un peu la taille de ce bloc newsletter pour en faire quelque chose de plus imposant et passer abonnez-vous pour recevoir sous le newsletter tout simplement et agrandir la taille de l'input s'il faut. Surtout qu'en plus, tu as utilisé une image en background, donc ça aurait été intéressant du coup d'un peu plus la voir justement. Ouais. Tout à fait d'accord. Hop, j'affiche le commentaire de Yanis. Hop. Smooth Shadow. Ouais, c'est vrai que sur Figma, tu peux en parler, toi, si tu connais. Jess, quel plugin tu conseilles sur Figma pendant qu'on... Pour les shadows, c'est vrai que je l'ai fait encore à la main. Je n'ai pas testé ce plugin. Et d'ailleurs, je vais regarder. Maintenant, je n'avais pas de plugin particulier pour le... Yanis, pour les bons plans. Et Yanis qui va faire un atelier Figma la semaine prochaine. Si vous regardez sur le Slack, il a fait une anime du KakatoS juste incroyable. Très, très fort en Smart Animate et illustration sur Figma. Donc, ouais, c'est vraiment clair. Chouette. Parce qu'il faut de la patience pour faire des trucs comme ça. Hein. Ah, ici, on a une liste qui scrolle. Bien vu, en tout cas, j'aime bien l'UX. On parle, c'est vrai qu'on parle toujours un peu d'UX ou de produit, mais en tout cas, bien vu, en tout cas, Aurélie, tout ce que tu as trouvé, le langage, tu vois, this is my spot et tout, c'est assez inclusif, enfin, ça correspond bien. Tout ce qui est l'univers, tout ce qui est respect de l'univers, en tout cas, je trouve que, je ne sais pas ce que tu en penses, Jess, c'est vraiment sympa. Oui, c'est clair. Il y a la dynamique vraiment du roller qu'on ressent tout le long de la maquette. Ouais. Et on va découvrir cette page article. Alors, vas-y. Alors du coup, ça va être un peu les mêmes remarques qu'on a pu faire tout à l'heure. Et c'est vrai que je pense que tu as aligné du coup sur la gauche par rapport au logo. Mais là, concrètement, du coup, on a une impression de grand vide sur la droite et du coup d'un peu de déséquilibre. On s'attendrait, on se dit, bah, on dirait qu'il manque une colonne de gauche. Donc, du coup, on aurait plus tendance à centrer finalement le texte. Enfin, toute la colonne centrale, du coup. Mais en tout cas, au niveau confort de lecture, on est sur la bonne largeur. Ouais, et complètement. Je pense qu'aussi, tu as aligné, du coup, avec ton bloc les autres actus. Et si tu veux, pour casser le layout, du coup, tu peux mettre un léger fond. Et puis, au-dessus, avoir ton fond blanc avec le texte centré, ça restera cohérent.
Ouais, je suis 100% d'accord, j'ai pas grand-chose à ajouter. Pas grand-chose à ajouter. Dernier petit truc, le logo comme ça qui est en suspens entre la top bar et le body, ok, mais du coup, fais-le chasser vraiment à hauteur de ta typographie. Je sais pas si tu l'as aligné avec le A, le haut du A, mais je l'aurais bien remonté parce que pareil, il y a un tout petit déséquilibre. Alors pardon, c'est chiant, mais je mets de la souris dessus, il m'affiche le full screen. Mais voilà, il y a un tout petit espace en haut du logo, il faut juste le remonter de 10-20 pixels, c'est pas grand-chose. Avons-nous tout vu? Bah oui, et puis on va presque finir dans les temps, il va peut-être te prendre 5 minutes de plus. Oh, t'inquiète. Ah, comme ça, on aura vu tout le monde, ça fera plaisir à tout le monde d'avoir eu sa petite review avec Jay, surtout qu'on va finir par Marjorie. Et avant Marjorie, on va passer à Mélanie, dont c'est pas la première participation non plus. Mélanie, elle avait participé au Mega Challenge, elle avait fait une super, super proposition qui avait beaucoup plu à Bastille, qui m'avait beaucoup plu aussi personnellement sur le thème des parcs nationaux. C'était très beau, très fin, très bien travaillé. Et donc, cette fois, Mélanie est la deuxième personne à avoir choisi l'univers KKTOS. Merci, Mélanie. Bon, vas-y, du coup, c'est à toi. Là, du coup, c'est bien hiérarchisé. On retrouve de nouveau la navigation à gauche. On a les systèmes d'onglets, système de tabs. Et je pense que tu aurais pu rajouter un petit Smart Animate, parce que du coup, avec un Smart Animate tout en haut, on peut avoir l'impression du trait qui passe. Alors, c'est au niveau de la tab bar. Du tabs, tout, la communauté, l'équipe, Ah, divers. pardon. Et en, oui, voilà. Et en OK. fait, avec un petit Smart Animate, du coup, ça permet de donner un effet comme si on avait le trait qui slide sur le côté, en fait. Ouais, je suis d'accord. Donc, voilà, ça rajouterait un petit truc. Après, au niveau du menu à gauche, tu as rajouté l'over. Je ne sais pas si tu passes de apprendre à essayer d'aller sur comprendre avec les flèches. Tu vois ça d'un coup. Yes. Et en fait, en vrai, même en intégration, on évite de faire ça, les ouvertures au over, parce que ça fait des effets un peu clignotants et de saute comme ça. Et c'est exactement la même chose, des problématiques qui se passent aussi en développement, en intégration. Donc, c'est vrai qu'on évite du coup de faire ça, de faire des hovers. On va plutôt faire des actions au clic qui s'ouvrent et qui se ferment. Ça permet d'éviter ces sautes. Après, sinon, Ouais, globalement. sans pour rien à rajouter. Ouais. Parce que du coup, c'est des interfaces un peu hybrides que moi j'admets tout à fait que j'aime bien qu'ils sont pattern très mobile au final, carrette, enfin angle plus title, comme ça, c'est plutôt des choses qu'on voit en mobile. Et c'est vrai que le hover, c'est un peu frustrant pour les gens qui n'ont pas l'habitude. C'est vite énervant parfois. Tu sais, quand tu hover et ça ouvre tout. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait? Ah, voilà, super. Alors, la typo, je pense, sans trop me tromper, que c'est de la Playfair, qui a été la typo, je vous répète, de Airbnb pendant quelques temps. Typo gratuite sur Google Fonts. Alors, tes impressions? Voilà, c'est vraiment sympa du coup d'avoir ce mode en fait en plein écran et d'avoir la partie centrale du coup centrée et avec cette largeur-là, ça fait très clean, très propre. C'est clean, ça fait très penser à Medium, mais c'est très sympa. Ouais. Attention, c'est pas tout à fait centré ici. On continue. Oui. Ouh là là, attends, si tu m'as vendu un dark mode, je vais être très Oui. fan. Et oui, magnifique. Alors je pense qu'effectivement, c'est inspiré de Medium, mais c'est très bien fait. Et de toute façon, je vous répète que le design est un métier de voleur. Refaites, piquez, essayez. Voilà, trompez-vous. C'est comme ça qu'on progresse. On mélange aussi. Ouais, voilà, c'est voler et ensuite vous mélanger. Il y a une phrase de Picasso, je crois que Oussama dit souvent, c'est quoi? C'est les génies volent? Ouais, je sais plus, vous regarderez, mais il y a un truc comme ça où c'est il y a ceux qui copient et ceux qui volent. Et il dit les artistes copient, les génies volent, je crois, un truc comme ça. Un tout petit peu plus de padding, peut-être dans les tags aussi, qui respirent plus. Mais j'aime bien cette couleur jaune, en tout cas, elle vient ramener un peu de fraîcheur. Ah, Mélanie disait que en fait, elle avait au clic, ça posait souci. Donc, du coup, Ah, il y avait d'accord. des bugs. Trop de bugs au clic.
Est-ce qu'on a tout vu? 21 sur 23, ouh là là, on a dû... Ah non, mais c'est toutes les animations sur le menu qui créent des calques. Bah Mélanie, bravo, parce que Mélanie, moi, je l'ai mentorée un peu en plus pendant les vacances de Noël, et je vois la courbe de progression qui est assez hallucinante. Donc, félicitations, Mélanie, c'est vraiment chouette de voir que vous progressez tous grâce au challenge. Ça nous fait super plaisir chez KakatoS. On finit donc, si je ne dis pas de bêtises, avec Marjorie, que j'ai confondu avec Margot hier, pardon, mais comme vous êtes toutes les deux super douées, c'est toujours compliqué. Vous avez tous les deux choisi la bouche, je crois que c'est pour ça que j'ai confondu. Donc Marjorie, t'as eu le temps de faire que la homepage, bah c'est parfait, comme ça on va finir à 20h30, mais du coup Marjorie, bah avec Marjorie on peut être un petit peu exigeant parce qu'elle est très très forte. Tu vas voir que c'est généralement du très bon niveau, donc on va découvrir ensemble la homepage. Je vous la mets en plein écran. On est donc parti sur l'univers de la cuisine à nouveau. Allez Jessica, je te laisse terminer. Oui, bah là, C'est c'est pour hyper. toi. En plus, ça donne super faim, là. Je commence à Ouais, avoir. on a tous faim. Là, ça donne pas envie, quoi. Non, les images, elles sont super bien mises en valeur. Les textes, il y a vraiment une hiérarchie visuelle au niveau des titres, des descriptions. Les espacements, rien à dire non plus. Il y a une petite couleur, une petite touche de couleur rose qui rajoute un petit peu de peps. Donc, très bien aussi. Il y a peut-être juste une petite remarque là, c'est au niveau du fond, où du coup, si on regarde mieux en zoomant, enfin, on Je vais voit essayer. peut-être alléger un peu le fond, parce qu'au Ouais. niveau de l'humidité du texte par-dessus, surtout la description qui est un texte plus fin, c'est pas très lisible en fait. Voilà, c'est Ouais, la police light, en fait, c'est où tu passes en régulaire, effectivement, et tu peux baisser un oui. peu l'opacité de la pattern. Super effet. Essaye peut-être, Marjorie, parce que je sais que tu peux prendre ce genre de risque. Quand tu as une image comme ça, avec le bouquin qui dépasse, peut-être de la faire dépasser de l'image, ou je sais pas. Bon, quoi que ça a peut-être été un peu petit. Bon, je sais pas. Les cartes, qu'est-ce que tu en penses? Bah, tout est co Ah oui, alors du coup, effectivement, il faudrait peut-être tenter un design moins parfait au niveau des tailles des titres pour juste voir, visualiser le comportement quand il y a des tailles de texte différentes. Mais Yes. sinon, rien à redire. Bah allez, moi je vais aller titiller un peu Marjorie quand même. Quelle réflexion je m'étais faite hier en voyant ça? Oui, je suis pas convaincu par ton CTA ici. La forme oblongue, enfin voilà, avec la flèche. Je pense qu'il y a un truc un tout petit peu plus fin que tu peux aller trouver à ce niveau-là. Je pense qu'en fait, juste un CTA typographique peut marcher, ou alors tu fais un cadre noir. Enfin voilà, peut-être quelque chose de un peu plus sympa à trouver. J'aurais peut-être mis un peu plus de hate sur ce bloc, parce que pareil, comme vient de le souligner Jess sur les, pardon, sur les tailles de titres, ça peut vite être un petit peu casse-gueule. Deuxième réflexion que je me suis faite, et j'en parle toujours à mes clients et compagnie, c'est toujours compliqué. Quand vous faites le choix de l'iconographie, assurez-vous de voir loin et de ne pas vous planter. Typiquement, sur la bouffe, on trouve assez facilement des packs d'icônes de bouffe, mais dès que vous allez taper des milieux un peu spécifiques, où il faut de l'iconographie spécifique, bah faites toujours bien attention à voir tout. Donc là, tes icônes sont très sympas, Marjorie. Je m'étais demandé hier, je ne sais pas ce que tu en penses, Jess, si j'aurais pas passé les icônes au-dessus. C'est-à-dire que vu qu'on est sur un logo centré, tu vois, est-ce qu'on n'aurait pas aussi, même si j'ai bien compris qu'il slidait, est-ce que j'aurais pas mis l'icône au-dessus, icône label, ce qui aurait permis d'en mettre un tout petit peu plus, et limite au scroll, tu resizes ou tu fais sauter l'icône ou un truc comme ça. Oui, tu aurais Toujours dans pu. cette histoire de cheminée, tu sais, je parle souvent des cheminées, des formes en fait, et peut-être que d'avoir l'icône au-dessus du texte, ça aurait créé cet effet un peu hop de chapeau un peu partout qui emmène vers le contenu. Franchement, Marjorie, encore une fois, là, j'ai pas le fichier sous les mains, donc c'est difficile à dire. Y a juste une question que je me posais, c'était la petite flèche à droite du menu, c'était pour inciter au fait qu'il y avait d'autres Bah, je possibilités suppose d'inclusion. voir d'autres catégories, je suppose, ouais. Je suppose. Mais du coup, voilà, encore une fois, c'est des choses qu'on commence à voir apparaître sur desktop parce que les gens ont l'habitude de l'avoir sur mobile.
J'aurais Au dit, niveau des ouais, c'est pas, voilà, c'est facile, mais pas toujours. Marjorie dit, j'hésitais à les mettre au-dessus. Bah, juste fais le test en speed. Si c'est stacké, Marjorie, ça te prend exactement 10 secondes, t'as qu'à changer l'orientation du stack. Donc voilà. Mais juste par curiosité, là, j'aimerais bien voir. pour s'aider. Surtout si tu J'aimerais as fait bien des blocs voir. en auto-layout, hop, 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 hop. Yes. Très sympa ici, là, tu aurais peut-être pu augmenter la font size. Tu vois, tu es sur un cocktail du moment, un bloc un peu spécifique, Marjo, bah, n'hésite pas à vraiment faire un truc un peu plus imposant ici, limite de cette taille-là, tu vois, ça aurait fait une belle contrebalance peut-être entre ce bloc découverte nouveau et Moscow Mule, qui est un très bon cocktail d'ailleurs. Le footer est clean, c'est beau, donc je pense qu'on va conclure sur cette note très positive. Oui, Félicitations. Félicitations Marjorie, félicitations à toi. On tirera demain au sort sur le Slack, on vous dira qui a gagné la KakatoS Box du challenge numéro 22. Je vous rappelle donc que vous pouvez trouver la formation de Jessica sur Figma qui vient de sortir pour s'initier à Figma et apprendre de manière pratique avec des vrais exemples. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette formation, Jessica? Comment ça se passe? Alors, ce que je fais, c'est que du coup, je vous accompagne du wireframe jusqu'au prototype. C'est vraiment pour apprendre à utiliser Figma. Et du coup, je vous montre tous les outils et toutes les fonctionnalités pour apprendre rapidement à créer vos premiers projets, en fait. Top. Voilà. Top. Eh ben écoute, allez-y, le code promo est sur le Slack, il est valable pendant encore 5 ou 6 jours. Jess, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, c'était très chouette. Je suis content qu'on ait réussi à avoir tout le monde cette fois avec toi. Prochaine UI review dans 15 jours pour le challenge. Citation. Je vous rappelle donc la KakatoS Academy est toujours ouverte, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez surtout vous abonner à la chaîne YouTube de Jess Design. Que vous retrouverez facilement en tapant ce mot-là. C'est ça, un Jazz Design, elle s'appelle. C'est Jessica Trocmé. Ah, Jessica Ah, Trocmé, pardon. effectivement, c'était Jazz Va Design. falloir choisir un blaze. Oui. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir accepté de faire cette UI Review avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Cet épisode sera disponible en replay dès demain. Et puis, on se dit à 15 jours. Ciao. Merci, ciao, ciao. Ciao.